Salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui, nous recevons Wigmar et son armée Tho, ainsi que toute la puissance de feu qui va avec. Des commandeurs Colstar et Enforcer mènent des lignes de Crisis et de Broadside. Longstrike dans son char Hammerhead et une Ghostkill mettent la pression en fond de table pendant que des Croods tiennent le front. Face à lui, Hugo nous vient avec son armée orque Goff. Deux Killrigs, des Trucks, des Meganobs, des Commandos, toute une horde de boys et Gaskultraka lui-même ne seront pas de trop pour déborder les lignes ennemies. Ils s'affrontent aujourd'hui sur le scénario 31 du Chapter Approved 2022. Un objectif se trouve dans chaque zone de déploiement et 4 autres dans le No Man's Land. Un joueur marque 4 points s'il tient 2 objectifs, 4 autres s'il en tient 3, encore 4 s'il en tient plus que son adversaire. Il marque 2 points supplémentaires s'il tient l'objectif dans le territoire adverse. Passons sans plus attendre à la présentation des armées. Salut les seigneurs de guerre, moi c'est Wigmar. Aujourd'hui je viens en 2000 points de l'Empire Tho pour affronter un orc. Mon armée va se composer de 2 détachements de patrouille qui seront à peu près composés en statut miroir. J'aurai 4 QG en tout. Mon seigneur de guerre qui sera un commandant en battlesuit enforcer. Il aura une relique qui est le gantelet onag pour taper très fort au corps à corps. Il aura un système prototype pour transformer son lance-flamme Tho en lance-flamme qui peut aussi frapper au corps à corps. Deuxième QG, ce sera un éthéré avec la relique pour passer ses invocations élémentaires sur du 2+, et les invocations en question, c'est la sagesse des anciens pour récupérer un PC, et la dureté de la pierre pour mettre sur une unité base un Finopen à 5+, à la phase de commandement. Ensuite, j'aurai dans l'autre détachement de patrouille, Longstrike, qui est un char Hammerhead, qui a des capacités spéciales, mais qui principalement a un très gros canon qui ignore les invus à force 14, qui peut relancer tous ses jets ou presque contre les véhicules, et qui peut mettre de la BM, et enfin, surtout, donner à une unité base à 9 pouces de lui un marquage laser à 1. Ensuite, le dernier QG, ce sera un commandeur Colstar qui a la relique du 7 Tho, qui lui permet, lorsqu'il est chargé, de pouvoir s'envoler et refaire un mouvement normal. Sachant que cette relique lui donne déjà un plus 2 au mouvement, bouge de 14, plus 2, 16, ça lui permet de se mettre en toute sécurité. Son trait de seigneur de guerre à lui, ce sera aussi un moins un hit et une advance auto à 6. Donc ça en fait un QG très mobile. En troupe, ensuite, j'aurai seulement 2 escouades de croûtes, 2 x 10. Rien de spécial, si ce n'est que tous les croûtes ont chopé un mouvement d'avant-garde grâce au nouveau codex. Ils pourront bouger de 7 une fois qu'on aura déterminé le joueur qui a l'initiative. Au niveau des élites, j'ai 4 unités d'élite. Le premier pack de Battlesuit. Grosso modo, j'en ai 2 qui fonctionnent un peu de la même manière, même si un des 2 est un pack bodyguard. La spécialité des bodyguards, c'est qu'ils pourront protéger un QG à 3 pouces 2. En gros, ils sont équipés de la même manière. D'un côté, ils ont une arme à saturation, qui est une Gatling en fait, force 5, assaut 6. Et de l'autre côté, ils auront 2 armes différentes qui ressemblent à des fuseurs. Le premier, c'est un cyclique qui fait une assaut 3, qui peut être force 7 ou 8. Et le fusil à plasma froid, que tout le monde redoute du nouveau codex, force 8, PA-4, flat 3, assaut 1. Donc ça peut faire mal. Genre mon adversaire, il commence à baisser la tête, ça peut faire mal. Voilà, donc ça, les 2 packs, que ce soit le bodyguard ou le pack de 5 normal, ils seront équipés de cette manière-là. Ils auront aussi une 4 plus 1 vue de manière mécanique. Ensuite, j'ai un autre pack de battlesuit de 3, qui lui sera équipé quasiment en full fuseur. Il aura un cycle équion et 2 fusils à plasma froid, plus un système personnel, pour avoir plus un hit aux unités qui ont le mot-clé vol. A mon avis, ce ne sera pas très utile aujourd'hui, mais tant pis, j'ai construit ma liste comme ça. Et enfin, le dernier slot d'élite, ce serait une Ghostkill, qui est une unité un peu de fond de cours qui a chopé une super particularité. Aujourd'hui, on ne peut pas la cibler, à moins que ce soit l'unité la plus proche, à 18 pouces de l'unité qui la déclare à la phase de tir, grâce à ses 2 drones furtifs. Et elle a toujours le moins un hit, donc ça en fait une unité assez résiliente en fond de cours. Et ensuite, une dernière unité de Broadside, qui est équipée avec les canorailles, force 9, PA-4, qui fait très mal, full SMS, et ils sont équipés de 3 drones, 2 shield drones, et un drone marqueur pour fiabiliser éventuellement leur tir. Et puis voilà.
Et du coup, en attaque rapide, j'ai également une escouade de 10 Pathfinder qui aujourd'hui ne peuvent plus se jouer que par 10. Et du coup, je laisse la parole à Hugo, mon adversaire, pour qu'il présente sa liste orc. À toutes. Salut les boss de guerre, moi c'est Hugo, joueur orc du coup. Je vais vous présenter mon armée brièvement, mais avant toute chose, je vais quand même vous présenter ce que ça fait orc. Donc orc, du coup, à savoir que ça me permet de débloquer la WAG. La WAG, normalement, il faut la faire en criant, mais je n'ai pas crié. Quand je fais ça, ça va durer 2 rounds. Le premier round, ça permet d'avoir une advance et une charge avec tout ce qui est base et personnage. On verra, il y en a beaucoup. Deuxièmement, ça permet d'avoir plus une attaque avec toutes mes unités orc. Ça, c'est le premier round. Deuxième round, ça me permet juste d'avoir plus une attaque, je perds l'advance et la charge. Toute mon armée est en goff. Goff, c'est des gros bourrins. Ils ont plus en force quand ils chargent ou quand ils font une intervention héroïque. Et en plus, ils ont des 6 explosifs au corps à corps qui peuvent se transformer en 5+, moyennant quelques PC. En QG, j'ai la pièce centrale de mon armée, Makari, le petit Gretchen qui accompagne Gascul avec une invue à 2. Il la perd dès qu'il la rate la première fois. J'ai, bah, du coup, comme j'ai dit, le papa Gascul qui met des baffes de forain. Donc, puis il perd de PV, puis il met des grosses baffes. Il prend 4 PV par phase, à la plus grande joie de mon joueur Tau d'ailleurs. Il a 12 PV, il a une invue à 4, c'est un personnage donc il peut advance et charger en wag, et par contre il traverse pas les murs, c'est un petit peu embêtant, c'est un monstre. Et ensuite j'ai un boss de guerre qui a un trait de seigneur de guerre supplémentaire et une héroïque supplémentaire. Son trait c'est brutal mais rusé, ce qui lui permet de refaire des attaques à chaque fois quand il ne va pas jusqu'à la caractéristique de dégâts. Et en plus il a la pince qui tue. Pince qui tue, du coup c'est une pince qui fait force x2, il n'y a pas de malus de touche comme une pince quoi. Perd moins 3, 3 dégâts. Il close fort. Ensuite, concernant les troupes, j'ai 2 packs de 10 boys alpagers. Donc c'est les nouveaux, ceux qui ont une invue à 6, qui ont des bonus pour toucher les véhicules, qui peut avoir aussi d'autres bonus pour blesser les véhicules ou les monstres. Et ensuite, j'ai un pack de boys classique à poil sans rien du tout. Concernant les élites, il y en a pas mal. Il y a les méganobs. Donc j'ai 2 packs de méganobs, un de 4, un de 5. C'est pour, comment dire, pour être embarqué dans les trucks. Ils ont des pinces, et ils ont aussi des combis carboniseurs, donc c'est des lance-flammes à force 5 avec une PA de moins 1 et 1 de dégâts. Les pinces qui peuvent passer à dégâts 3 pour 2 PC, et surtout ils ont moqué camionneur. Camionneur, ça leur permet en fait de débarquer, de bouger, d'advance éventuellement, et de charger après justement leur débarquement. Donc ils ont une projection assez folle, chez mémoire c'est 38 pouces il me semble, et en plus ça tape correctement. J'ai ensuite 3 packs de commandos. Les commandos, donc c'est des orques qui se camouflent, qui se mettent dans la zone un petit peu partout sur la table, donc à plus de 9 coups justement de la zone de déploiement adverse, et qui font leur vie. J'ai ensuite en attaque rapide 2 packs de Storm Boys. Storm Boys, c'est du boys qui vole, hein, c'est rien de plus. Ils peuvent se prendre des BM par contre quand ils avancent trop vite parce que le machin explose et que c'est un petit peu triste. Et pour finir, enfin presque finir, j'ai le choix de soutien avec 2 Killrig. Donc les Killrig, c'est une nouvelle figurine qui ont 16 PV, une endurance 2-8, une sourire à 3+, donc ça tank quand même. Ça a moins un dégât pour tout ce qui n'est pas force 8. Et ça moque le personnage, donc ça advance ses charges en wag, ça peut taper en mourant avec quelques CP. Ça tape relativement fort, hein, ça a vraiment plein d'attaques, les boys qui sont dessus qui mettent des coups de poing, le gros squid qui met des coups de corne, et il y a des petites... Je pense que c'est des disqueuses sur les côtés qui coupent un petit peu tout le monde. Donc ça c'est Killrig. C'est aussi Psyker, donc personnage. Ça a un tir de canon laser, enfin une touche auto de canon laser à portée 24, qui peut être boosté en fonction de si j'arrive à manifester certains spells. Justement, en spell, rien de très, très fouillichon, il peut mettre un petit peu de BM au méchant, en fonction du nombre de figurines qu'il a, et il peut lui réduire son advance et sa charge. Il y a aussi un tir de mortier qui tire hors ligne de vue, qui peut potentiellement diviser son mouvement par 2, ainsi que sa charge en lui mettant moins 2, et son advance aussi. S'il ne vole pas, ça tombe bien, toute son armée vole ou presque. Pour finir, en transport, j'ai 2 trucks qui vont embarquer donc les Meganovs pour un peu plus de projection et pour rentrer très très vite dans la tronche du méchanteau. C'est tout pour mon armée, et on se retrouve sur le champ de bataille, prêt à en découdre. Et on se retrouve autour de la table de jeu. Wimar et Hugo se sont déployés. On est prêts. Vous êtes prêts? On est prêts? Oh. Monsieur, t'es prêt? Allez. Ouais, n'aie pas peur. Ça a des gros canons, mais... Ouais. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. C'est peut-être pour compenser quelque chose. Peut-être.
Bah, celui qui a le plus gros canon, est-ce que tu peux présenter ton déploiement, s'il te plaît? Oui, alors très simple. Dans la présentation des armées, je ne l'ai pas fait parce que c'était plus intéressant au niveau du déploiement d'expliquer. En gros, je joue un 7 taux qui, en plus de permettre de rejeter un jet de touche ou de blesse par figurine, par unité à la phase de tir, le 7 taux permet d'augmenter les bulles et les auras de 3 pouces. Ce qui fait que même si on n'a plus trop envie de jouer château, avec le codex V9, surtout contre un orc qui peut charger vite, j'ai quand même été obligé un petit peu de me déployer autour de mes QG pour les différentes habilités à la phase de commandement. Donc ce qui s'est passé, c'est quasiment tout est apporté ou presque à 9 pouces de chaque commandeur qui a une habilité spéciale. Sur les côtés, j'ai essayé d'élargir au maximum, notamment avec les croûtes qui ont un petit déploiement d'avant-garde pour aller prendre le premier point, j'ai essayé d'espacer au maximum pour qu'il n'ait pas qu'un seul couloir de charge immédiat. Il va falloir quand même qu'il réfléchisse, sachant qu'il aura peu de tirs. Il va quand même falloir qu'il réfléchisse à où envoyer ses grosses ressources, sachant qu'en étant qu'à seul au middle, on peut vite s'éclater sur les différents points. Donc voilà, ça explique comment je me suis réparti sur la table. Ok. Et toi, Hugo? J'ai pas réfléchi, je suis hors que... T'as posé, tu vois. Quel mensonge. Oui, quel mensonge. C'est oui, quand oui, même oui. pas mal caché. Hein. Oui, j'ai joué petit pénis, honnêtement. J'ai quand même essayé de cacher mes deux Kigri, parce qu'il y a un gros canon, mais en fait, je peux pas me cacher de l'Hammerhead qui peut advance et tirer parce que c'est mon corps et c'est pété. Les Crisis, c'est aussi, je peux pas les esquiver, la Ghost Kill, mais en fait, j'ai voulu quand même essayer d'esquiver Broadside, donc j'ai quand même réussi. On a regardé avec advance et tout, il peut pas choper les Kigri, ni les Rhinos, enfin les trucks. D'ailleurs, du coup, en parlant de Kigri, les trucks, etc., il y a full embarqué. Donc là, il y a mon Big Boss qui tape comme un sourd, avec 4 de ses potes et Meganobs. Ici, il y en a 5. Donc là, Kiri qui est un petit peu caché, elle qui est plus caché. Il y a Tonton Gascu qui est derrière, je ne sais pas si on le voit. Il y a 5 Stormboys ici. Il y en a 5 aussi ici qui sont prêts à aller faire leur vie. Les petits boys en dessous, Makari. Là, j'ai mis des commandos. J'ai mis aussi des commandos là pour venir mettre la pression. On va voir ce que ça donne. Et puis voilà, en fait, le but, c'était quand même de me protéger du T1, parce que j'ai pas envie de me prendre 6 tirs de broadside dans les chicots des débuts. Déjà, un tir de Hammerhead, ça va me calmer, je pense. Donc voilà, j'ai essayé quand même de jouer un petit peu de sécure, mais pas trop quand même, parce qu'on est orc et qu'il faut rentrer dans le tas le plus vite possible. C'est l'idée, normalement. C'est l'idée. On va voir si tes commandos vont mettre la pression ou seront en dépression, selon, je pense, qui est T1. Si à T1, je pense que je vais retirer vite. Mais ils sont jolis. Rappelons simplement que tu as gagné le jet de déploiement, ce qui ne change pas grand chose, que la table était symétrique, mais voilà. Ouais. On avait quasiment le même nombre de poses en plus. Voilà, le but c'est de le cliquer le plus possible. Enfin, de tuer même en fait. Oui, c'est l'idée de tuer. C'est le jeu, je crois. Pas que. Juste avant de faire le jet d'initiative extrêmement important, il me semble. Petit rappel, donc on est sur une table, on suit les conventions WTC, donc petite ruine et grande ruine entièrement bloquante, hein, au rez-de-chaussée et aux étages. Seuls les infanteries peuvent le traverser, etc. Au centre, vous avez des containers, hein, les gros camions, ce sont aussi des containers. Mais c'est parce qu'ils sont jolis. Ils sont très beaux. Ouais, ils sont jolis. Très beaux, très réaliste. Ouais. C'est de la récup orc. Fait main. C'est de la bonne récup orc. Voilà. Et après, tout ce qui est petits trucs qui traînent à droite à gauche, évidemment, on n'en tient pas compte. Pareil ici, hein, les tuyaux, c'était pour faire joli. Si tu veux mettre ta ghost kill un peu plus encore loin, histoire... Non, ça comptera simplement pour les pions de mon objectif, mais... Mais voilà, donc on n'y fait pas attention, évidemment. Ensuite, vos objectifs secondaires, les yeux. Alors, pour le coup, moi j'ai pris... on commence comme ça. J'ai pris un des objectifs secondaires du nouveau Codexto, qui est de réaliser une action à 6 pouces... d'un milieu de quart de table à chaque fois. Une unité d'infanterie peut le réaliser plusieurs fois, enfin plusieurs unités d'infanterie peuvent le réaliser plusieurs fois par tour, et à chaque fois que je le réussis, je mets respectivement 2, 4, 9 et 15 points de victoire si je fais les 4 pions. D'où Jésus, voilà, ça fait beaucoup, mais il faut se permettre. Toi aussi, t'en as pris un? Ouais, moi j'ai pris le secondaire Orc, qui est un petit peu moins subtil, mais non moins efficace, qui s'appelle Crasélé, donc ça porte bien son nom, faut que j'écrase, que je démarre. En gros, je mets 3 points de victoire si je tue plus d'unités ennemies au corps à corps que lui m'en a tué, qui ne sont pas Gretchen. En gros, c'est une attrition, mais au corps à corps. Sachant que lui, bon, le taux, c'est pas réputé pour être... D'une violence de close, donc je pense qu'il y a un monde où je peux faire des choses.
C'est ça. Mon deuxième objectif, moi, c'est derrière les lignes ennemies. Donc si j'ai une figurine dans sa zone de déploiement à la fin de mon tour, je mets 2 points. Et si j'en ai 2 ou plus, je mets 4 points. Il est vraiment ballsy. C'est des... des taux au coyon. Non, d'ailleurs, c'est mon cas. Oui, tu as précisé que c'était... Ah bah, je ne sais pas, on n'a pas encore eu de pas choisi. Initiative. On n'a pas choisi. Je me réserve. On se demande. Il est particulièrement ballsy. Qu'est-ce qu'il pourrait prendre? Ensuite. Moi, mon deuxième objectif, c'est domination, ou stranglehold, ou emprise, je ne sais plus. Faut que je prenne 3 objectifs et plus qu'adversaire. Il y en a 3. Normalement, ceux-là, je devrais les avoir. Ceux-là, Inch'Allah, je lui reprends. Après, on verra. On va y aller, ouais. Ça va de finir comme ça. Et mon dernier mois, ce sera assassinat, parce qu'en fait, c'est Killery compte comme des personnages. Et donc, si j'arrive à le table raser, ça fait 15 points. Bon, même pas besoin de me table raser, c'est pour mettre 15 points. Non, mais comme ça, on est sûr. Disons que, voilà, on sera sûr. Ouais. Bref. Voilà. Et moi, l'autre, c'est un peu moins subtil, j'ai pris bannière. Donc, en gros, j'ai planté des magnifiques bannières orques sur les objectifs et c'est tout parce que c'est fort, je pense. Oui, oui, ça fait ses preuves. Par contre, le taux, c'est un bon objectif. Oui, on va si tu veux mieux prendre, viens, pas de souci, je vais t'accueillir, je vais te faire des câlins avec Gascu, tu vas voir. Maintenant, un moment important. Tu peux aller faire un coca d'appeur. tu peux même le faire ici sur place. C'est voilà, c'est fait. Voilà. Oh, prenez un dé. Alors, un dé blanc pour Wingmar. On se le met là. On se le met là. Si on go de près. Non. Allez, à 4. Salopard. Oh, j'ai joué 4 fois contre un taux, 4 fois j'ai pas eu initiative. 4 à 2. Bien. Ça y est. Voilà. Et ça fait chier. Je jouerais bien en monde car pour la petite blague. Voilà, très bien. Donc en monde. Très bien. Du coup, tout est décidé. On est parti pour le tour 1. Donc début du tour 1. Du taux. Content. Donc en termes de PC d'ailleurs, on n'a pas précisé. PC, on était tous les deux à 7. Tous les deux à 7. Voilà. À 7. Donc, la règle, je le rappelle, pour ce scénario, c'est que si on gagne son PC au début de tour, uniquement si on tient le point dans sa zone de déploiement, donc celui-ci pour Wingmar et celui-ci pour Hugo. Est-ce qu'il y a le cas, là? Oui, oui. Donc, quoi, là, on est bien. Bravo, tu gagnes un PC. Déjà, bravo, ça, champion. Bravo, champion. Phase de pré-move. Phase de pré-move. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai avancé en cordon l'escouade de Cruz pour prendre 2 objectifs avec une seule escouade. Et éventuellement freiner un petit peu sa charge quand il va wapter 1 pour que ce soit les croûtes qui absorbent et pas les unités stratégiques. C'est ce que tu vas faire, hein. C'est fort, il est fort. Ça, incroyable de finir ce gameplay, on est tous surpris. Il est fort. J'ai arrêté de jouer pour faire chier. En mouvement de pré-game, j'ai sorti l'escouade de Pathfinder qui est venu se mettre là pour choper une ligne de vue sur Gazgul qui est là, pour être sûr de lui retirer ses 4 PV au tour 1 à la phase de tir. Sûr, hein, et pour que quelques-uns voient également l'escouade de commando qui est là, pour être sûr de la sécher, fiabiliser, pour nettoyer un petit peu cette moitié de table-là que Hugo n'a pas trop investi. Voilà, comme ça ils feront leur action et on est content. Du coup, début de ma phase de commandement, je gagne le PC réglementaire puisque je contrôle l'objectif dans ma zone. Mmh. Et la phase de commandement est très importante dans la liste que j'ai consolidée, puisqu'en fait c'est là où on va buffer, où on va projeter ce qu'on a envie de faire sur le tour, ce qu'on anticipe aussi que l'adversaire fera à son tour à lui, pour essayer de conserver notamment les points d'objectif primaire, parce que là, il faut en contrôler 3 pour en mettre 8, ou 12 éventuellement, mais bon, sur les premiers tours, l'or qui la mettra plus que moi. Quelle est la difficulté pour le taux sur ce scénario, en effet? Bah, sur tous les scénarios, même en général, ouais. Parce que tout ce qu'on a sur le taux en objectif sécur est assez squishy, donc c'est très dur en général quand on prend un objectif de le conserver à la phase d'après. C'est pour ça qu'un des buffs que je trouve très intéressant, c'est que le commandeur renforceur qui est là, il peut mettre l'aptitude objectif sécurisé sur une escouade de battlesuit. Et les battlesuit, c'est une endu 5, 4 plus 1 vue, 2 plus sur un des modèles de l'unité. Ça commence à être plus costaud. Sympathique. Voilà. Du coup, la phase de commandement. Le commandant forceur qui est là, il va donner la capacité objectif secure à l'escouade de Battlesuit qui est ici, donc à 9 pouces de lui. L'éthéré, il va lancer ses 2 invocations élémentaires. La première pour regagner un PC. Ici, attention, premier jet de dé. Le 2. 2. Ça réussit, on est content. Et ensuite, pour donner un Feel No Pain
à 5+ sur cette même escouade justement de Battlesuit qui aura donc l'objectif secure et le Phenopain à 5+. Ça passe, incroyable. C'est stable, hein, c'est stable. C'est solide. C'est très solide, on est content. On appelle ça la chatte. Sur du 2+, quelle audace. Ensuite, Long Strike. Il peut donner en fait un marqueur light sur une unité corps autour de lui. Du coup, il va la mettre sur les squads de Broadside qui est ici pour fiabiliser à fond leur SMS, qui n'ont pas besoin de ligne de vue pour aller chercher les petites escouades qui sont vraiment très proches de moi en middle map. Un commentaire? Une déception? Oui, oui, je suis déçu. Ce qui est caché derrière la ruine ici. Là. C'est ça. Voilà. Dans le même temps, l'éthéré qui est là, il va mettre une capacité spéciale qui s'appelle Impulsion Vertueuse sur les squads de Broadside, qui permet de tirer normalement tout en réalisant une action. Et en l'occurrence, ils vont réaliser l'action du secondaire taux sur ce bord de table-là. Sur ce bord. Sur ce bord ici. Okay. De toute façon, il faut être à 6 pouces. Mais attention, pas à 6 pouces entièrement. C'est-à-dire que tu peux faire un gigantesque cordon. Mm-hmm. À mon avis, ça se sera faqué un moment parce que c'est trop fort. Sur une escouade de 20 croûtes, tu pourrais presque relier deux bords de table et le faire deux fois. Quoi. Enfin, c'est un peu la folie, je trouve. Voilà. Donc, début de la phase de mouvement, maintenant que tous les buffs sont passés. Mais du coup, on se retrouve juste après. Juste après. Juste après. Fin de ta phase de mouvement. Que s'est-il passé? Fin de ma phase de mouvement. Déjà, ici, les Broadside font l'action du secondaire tôt sur ce quart de table-ci. Donc, elle sera réalisée à la fin de ma prochaine, au début de ma prochaine phase de commandement. Et comme ils ont eu l'action de l'éthéré, ils peuvent tirer quand même. Ensuite, au niveau des mouvements, à droite, les croûtes se sont rapprochées pour avoir une potentielle charge sur les commandos ici, assez facile, en prenant l'objectif. Les battlesuits se sont décalés là pour aller choper une ligne de vue sur la kill rig qui est là et mettre quelques tirs de plasma. Ils voient un poil de cul de même. Ils voient un poil, voilà. C'est de la cacher, la grosse carriole. Ça, c'est tout ce qu'on aime. Le bout de cheveux qui dépasse. Ici, mon commandeur Costa est venu se mettre au milieu de map. Les Crisis Bodyguards se sont décalés derrière lui, ainsi que les squads de Pathfinder, équipe de cibleurs, pour pouvoir mettre des marquages laser sur les commandos qui m'embêtent ici, sur Gazgul Traka pour être sûr de le sécher. Il est juste devant toi. Il est pas assez gros pour moi. Il est pas assez gros pour toi. Moi, je le trouve déjà bien assez grand. Ensuite, derrière mon occultant principal, j'ai laissé une escouade de Croots qui est super OP, mon éthéré, mon commandeur en forceur, parce que lui il est plutôt doué au corps à corps et j'ai pas envie de l'exposer trop vite. L'escouade ultra buffée, tanky, super OP de Battlesuit est venue prendre les deux objectifs en un, juste ici, à savoir celui dans ma base et celui un petit peu en milieu de map. Comme ça j'escompte bien la fin de mon tour contre les trois objets et le forcer à me clean au moins ce qui est proche de ma phase, de mon gros pack de tir pour qu'il s'expose. Tout à gauche, on a décalé Long Strike ici pour choper la ligne de vue sur le deuxième kill rig et espérer le sortir assez vite. Et la Ghost Kill s'est décalée un petit peu sur la gauche ici. Je vais tout de suite utiliser un PC pour la faire repartir en frappe en profondeur, en frappe manta comme on dit chez les taux. Du coup, tout de suite, je passe à... Oui, comme ça, oui, PC. Voilà, une unité qui était là. En fait, merci, bonsoir. Bon, au revoir. Une forme de redéploiement. Elle reviendra très vite. Donc elle dirait t'es là, t'es plus là. T'es là, t'es plus là. T'es là, t'es plus là. C'est tellement plus stylé le t'es là, t'es plus là. Moi je suis là et je vais rester là. Bien rester là. Voilà. Ok. Phase de tir. Phase de tir. C'est pas la phase que j'aime. Je pense que c'est un moment important dans le dans la stratégie tôt. Exactement. C'est un peu la... Sachant que ce seul moment. Ce moment. En une des seules phases. Sachant que j'avais aussi dépensé un PC. Bim. Pour que les squads de cibleurs, elles réussissent son action de ciblage sur un 2+, et puissent rebouger d'un mouvement normal juste après l'avoir fait. C'est pété du tout. Oh, c'est pété. Et en début de phase de tir, un autre PC. Oh, c'est craqué. Pour que les squads bodyguard de Battlesuit puissent rebouger d'un mouvement de 6 après avoir tiré. En fait, on va venir se replier gentiment ici, pour pas perdre des squads importantes. Le Tom Eldar. Voilà, le strike and fade qu'on aime bien, avec mon commandeur Trebolzik All-Star qui est là et qui bougera jamais au cœur de la table, au cœur de l'action. Je reste sans vous. Voilà, donc les actions des marqueurs. Il y en aura 4 qui vont venir sur l'escouade de commando qui est ici. Je balance les dés. Voilà, tout passe. Donc ils seront à 4 marquages laser, ce qui sera bien suffisant. 6 autres sur Gazgul. Voilà, il sera à 5. Bon, celui-là qui n'était pas là. Non. Non mais celui-là c'est 4, c'est pour marquer le... Voilà.
Un peu d'hygiène. Ouais, on commence déjà à dévaloriser le taux. Yep. Donc, la première escouade de croûtes va tirer, sachant que les croûtes, à part en jouant le set d'Alit, ne peuvent pas bénéficier des marquages laser. Ok, donc on a dit, sur l'escouade de croûtes, qui va tirer. Ils ont un tir rapide 1 à 24 pouces, donc comme ils sont largement à une portée, ça passe à 2. Ils touchent à 4+, et on voit ce qui se passe derrière. Pas de reroll d'aucune sorte, celui-là était bon. Hop. Force 4 en du 5. En du 5 parce que j'ai un gros crâne. C'est ça. Simplement reroll des 1 puisque premier tour de mon cas et c'est l'unité éligible la plus proche sur laquelle je tire. 1-1. Hop. Oh, bah, c'est plutôt pas la masse. C'est pas dégueu, ça. Ouais. Ah bah voilà. C'est repas dégueu. C'est pas dégueu. C'est pas trop dieu. Hein. PA moins 1 parce que premier tour de mon cas et que. Ah bah, j'ai pas de sauvegarde. Ah bon, bah non. Ah bah c'est ça. Ah bah non. Et ils sont combien eux? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah tu les as tués. Que c'est assez... Sérieusement? Ouais, tu les as tués. Et les squads donc de commando, c'est ça? Qui sautent? C'est ça, et je les remercie d'avoir tué au tir d'ailleurs. Eh ben j'ai bien fait de. Bah ouais, du coup, je pensais pas que. Je pensais justement pouvoir les tuer au corps à corps et activer le stratagème taux, enfin de croûte, permettant d'avoir un fin de peine à 5 points. Ah, je voulais pas que tu me tues au corps à corps, mais que tu me tues. Bah heureusement que j'ai posé un pied sur l'objectif parce que sinon là, j'aurais pu ne pas le prendre, ouais, comme un idiot. L'escouade de Battlesuit qui est là va tirer avec ses deux fusils à plasma froid dans la kill rig, sachant que ce sont les seuls qui l'ont apporté. Pas de mot-clé vol sur la kill rig. Bah si. Non. C'est l'ingénieux du wargame. Sait-on jamais. Du coup, touche à 4+, pas de reroll. Voilà, c'est stable, hein? De quoi on parle? Bon, il y a une reroll grâce au 7 taux. Voilà. Ça va, ouais, bon, j'aime bien ces jeux. Force 8, tendu. 15. En du 8. En du 8, c'est sur du 4+. Une blesse. Et à moins qu'à la Magic 6+1. Allez, la 6+1 vue. Ah non. 3 dégâts. Les broadsides qui sont ici vont mettre leur SMS dans les squads de boys, c'est ça? C'est du commando, ça. Des commandos qui est là pour essayer de clean un maximum la table sur le côté droit et me laisser tout un couloir de libre, potentiellement pour m'y décaler en fonction de sa wag. Donc ils vont toucher à 3+. Et une blessée à 5+. 3+. Ils ont bien la reroll des 1 puisque mon commandeur est à 9 pouces 2 et que c'est une unité base. Hop, reroll des 1. Super. Donc on vient tous les deux. On a discuté avant la partie parce que les SMS ont cette particularité. C'est des commandos, c'est ça? Ouais, mais ils sont pas dans le couvert de toute façon. Ah, ils sont pas dans le couvert, donc voilà. Ouais. Donc on a dit force 5 en du 5. En du 5, donc c'est sur du 4+. Ils sont morts. Et ouais, ils sont morts. Ils sont morts. J'ai 7 PV, il a l'air d'en avoir plus que 7. Donc ils sont morts. Sachant que j'avais droit à une reroll du 7 taux, mais très bien. C'est stable le taux. C'est stable. C'est stable. On continue avec cette même unité, avec les deux tirs de gros canon, sur Gazgul Traka. Alors ça va être encore plus stable, je pense. Ça va être encore plus stable. Ça va être encore plus stable. On est toujours sur du 3+. C'est très très stable. Force 9. Ça blesse bien. Hein, 3+. Là, je vais utiliser du coup la reroll du 7 taux sur la blesse que je n'ai pas encore utilisée. Ah bah oui. 4 blesses sur la. Alors il a fait un Magic 5+, est-ce que moi je vais faire une Magic 4+? Non. Donc je prends mes 4 PV. Oui, largement, puisque c'est c'est beaucoup de PV. Prends mes 4 PV. Hop, on continue. On mollit pas, on faiblit pas, c'est plutôt très bien. Et ben le long strike, il va mettre. Je crois qu'il va tout mettre en fait dans la carriole. Même les SMS, histoire de dire. La carriole qui est ici. Le kill rig, donc. Le kill rig, pardon. Ouais. Là, il y a une carriole, là il y a une carriole. Donc on va commencer par le gros tir de gros canon, ignore un vu. Donc touche sur du 3+. Yes. Oh. Et ben long strike a une attitude à lui qui lui permet de reroll un jet de touche. Fais chier, phase. Merde. Donc on va lancer. Non, y penser rien que pour merde. Ensuite, bless force 14. Ah, 2+. 2+, de toute façon j'avais plus un bless grâce à long strike. Et là par exemple, je pourrais utiliser ma reroll du 7 taux, c'est inutile. Donc on a dit au niveau des dégâts, c'est 6 flat plus des 3. Donc 7 du coup. Ouais, c'est plus 3 BM, ça fait 10 PV là. Et il en reste. Il en reste 6 là. Bah du coup je vais mettre un PC pour relancer ça. Essayer de faire un peu plus, parce que ça peut se jouer à ça. Super. C'est pas mal. Fallait faire ça avant pour la touche. Le 2 reroll 2, c'est même pas drôle. Oui, bah il fallait faire et ensuite, ça. Bah, du coup je prends quand même 10 PV dans la Et ensuite les 8 SMS
touche à 3+, pas de reroll. Parce qu'il est... Ah, ça fait beaucoup moins tout d'un coup. Ah, ça, ça fait... Ouais. Hop. Ensuite, je devrais baisser à 5+, mais en fait 4+, puisque +1 contre les véhicules. Il ne mourra et pas aujourd'hui. Utiliser... Ah bah non, je l'ai déjà... Non, j'ai plus utilisé ma reroll du 7 tôt. Je vais l'utiliser maintenant. Si tu as... Non, c'est l'aptitude spéciale de Long Strike que j'ai utilisé. Il peut, lui, nativement... Ah non, mais c'est par figurine. Ah, ah, quand c'est par unité, quand t'as lancé la touche. Ah bah oui, oui, oui. Oh oui, mais seigneur, c'est stable. C'est stable. Allez, oui, mais... Tu baisses à 3 À 4, pardon. C'est... Il y a une PA là-dessus. PA moins 1 seulement. Bah si j'ai 4 plus, hein. Bon, c'est facile, 4 plus, regardez. Bon, presque. Allez, un petit PV. Du coup, j'ai perdu 11 PV au total. Ça fait 11. Moi, je suis content d'avoir King quand même tout ce côté-là. Donc, je suis pas maintenant, je vais... Ça suffit. Je vais faire les mouvements post-phase de tir, à savoir les battle suits et les squads de Pathfinder qui est là. On te laisse faire ça et on te retrouve juste après. Juste après. Fin de ton strike and fade, comme on pourrait le fin nommer. Fin de strike and fade. Les battle suits sont passés d'ici à ici. Donc c'était les gardes du corps. Ils laissent même pas et les Pathfinder sont revenus se mettre derrière l'occultant et ils ont un peu trébuché en chemin. Et lui, c'est celui qui s'envole quand je le charge. Et oui, celui du Colstar qui est là, c'est celui qui s'envole au moment où il est chargé. Il n'y a aucune opportunité de venir lui faire des câlins. Voilà. Et en plus, ça bloque ta phase de mouvement pour d'éventuels advances de folie ou autres avec les personnages. Tout à fait. Voilà. Ce qui t'amène donc à la fin de tour 1 de tir et tu fais pas de combat, tu charges pas. Non, je n'essaie pas de charger. Il était trop loin, on n'a pas tous une attaque. Ah bah oui, t'aurais pu charger, mais c'est ça. Et du coup, début fin de ton tour, tour 1, du coup. Donc, phase de commandement de ton tour 1, c'est parti. Qu'est-ce que tu fais, Hugo? Je prends une grande inspiration et je vais pas déclarer ma wag, premièrement. Pourquoi j'ai réfléchi? En fait, potentiellement, je pouvais peut-être aller chercher les Crisis là, avec mes Truck Boys, en venant ici, en débarquant, en bougeant, et en payant un PC pour que j'ignore le modificateur de charge. Sauf que ça conditionne mon advance de 1, c'est-à-dire que si je fais un advance à 1, ça me fait une charge à 8 ou 9 reroll, et non, c'est pas terrible. Et que du coup, si j'arrête, ça m'embête beaucoup. En plus, je pense pas le retirer de l'objectif là, donc je préfère attendre un petit peu. Là, je peux aussi bouger Gascu en zone advance, charger lui pour qu'il se barre, histoire de faire partir, et amener aussi un autre pack de Megadops ici pour qu'il contourne et qu'il charge ici. Mais c'est pareil, ça veut dire qu'il faut que je fasse une advance à 5 pour me retrouver ici à 1 pouce de lui. Et ça me laisse une charge à 8, donc... Charge à 8, faut pas se baser dessus, en général. Très incertain. En général, ça passe pas. Puis si je me retrouve avec 9 Meganobs devant, j'ai pas trop envie que ça se passe comme ça. Donc non, je vais tamponner un petit peu. J'ai planté mes bannières ici. Là, j'ai bien aimé choper les croûtes, mais ils sont un petit peu loin. Donc en fait, je pourrais pas mettre mon objectif qui consiste à... Comment dire, à tuer plus d'unité au close à ce tour-ci. Parce que là, bien, si mais tu es pas ici, je pourrais aller chercher, le charger et le tuer. Donc je vais faire du positionnement, mettre mes bannières, me poser sur les objectifs pour éviter qu'ils m'en dérangent trop vite. Puis après au prochain tour je devrais quand même y rentrer dedans avec ce qui me reste. C'est bien la question, qu'est-ce qui va me rester? Puis du coup on va se retrouver pour ma phase de mouvement. Enfin pour la fin de ma phase de mouvement plutôt. On se retrouve juste après. On se retrouve juste après. Fin de ma phase de mouvement, c'était très compliqué parce qu'il met quand même une grosse pression. Alors pour commencer dans l'ordre et pour dérouler après dans ce sens-là. J'ai bougé avec Irig ici. J'ai longuement hésité à la laisser là ou alors bouger un petit peu, mais en fait la question, enfin le problème c'est que si je bouge pas, je pourrais jamais chercher ici. Et j'ai quand même domination, il faut que j'aille contester un petit peu les objectifs, je pourrais pas le faire maintenant, mais c'est très bien que je fasse plus tard, parce qu'il va me détruire, c'est quasiment sûr, et que j'ai un contre-close qui puisse aller répondre. Quoi. Ici je me suis posé avec Stormboy, j'ai mis une bannière. Makari est venu ici aussi pour les aider dans leur quête. Il y a une en vue à deux, donc normalement il devrait pas trop mourir. J'ai planté une bannière avec les boys ici, qui sont mis assez loin des SMS des broadside. J'ai avancé Gascu ici, j'aurais pu me mettre ici pour le poser, le faire tanker sur l'objectif, c'est-à-dire qu'en fait s'il se mettait là, lui il aurait pu vraiment reculer, à outrange Gascu. Je me suis dit, il est là, certes il va se prendre ses 4 PV, là j'aurais peut-être plus l'objectif, à part s'il me détruit que je débarque correctement, mais bon, c'est pas grave. Que là, il y a quand même un... Voilà, il est dégagé, il peut monter, il aura... Je pense une phase de close. J'ai fait une belle advance avec mes trucks camionneurs qui sont tous les deux posés ici. Donc on s'est mis d'accord avec mon adversaire pour qu'en fait les broadside puissent pas. Enfin, il n'y a pas de ligne de vue en fait entre les deux ici. Long Strike ne peut pas non plus tirer.
Quoi d'autre? J'ai fait des commandos ici qui ont une charge à 9 sur les crises, reroll. Si j'arrive à les cliquer, ça pourrait être rigolo. J'ai pas bougé ma Kirig ici. Elle s'est mise quand même néanmoins à 3 pouces d'objectif face, ce qui fait que quand je débarque, je serai quand même sur l'objectif, enfin s'il m'a détruit. Là, j'ai bougé les Stormboy qui ont planté une bannière ici. Alors, petite chose assez intéressante, c'est qu'en fait, je me suis mis juste devant pour qu'en fait, par exemple, avec ses croûtes, s'il veut venir me contester l'objectif là ou me retirer une bannière, il faudra forcément qu'il vienne me chercher au close ou alors qu'il fasse un fire infect avec ses crises pour m'en retirer. Parce qu'en fait, il ne peut pas venir ici juste devant vu qu'il y aura les 1 pouce et qu'en fait, il ne peut pas rentrer dans l'objectif pour me contester. Donc, c'est aussi un truc qu'on peut faire contre certaines armées qui peuvent nous détruire au tir. Je vais faire un smite dans lui pour potentiellement essayer de défoncer, ça serait rigolo. Donc c'est un smite qui passe à 5. Premier. Je vais lancer les dés ici où tu vois. Ça va être un smite critique. Pas du tout, ça fait 5, petit pipoire, ça fait des 3 BM. Ça fait des 3 BM, ça fait 1 BM, de toute façon je vais pas avancer, donc je prends mon D3 BM. Du coup ça me permet par contre d'avoir des 3 touches automatiques avec mon canon laser d'amortitude. Et puis voilà, c'est sympa. Phase de tir du coup. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un PC pour faire un obus tremblotaire sur les brochettes qui sont là. Je vais mettre mon flammeur, enfin mon canon laser, enfin ma touche auto dans le commandeur parce que c'est porté 24 pouces. Et on va voir ce qui se passe. Voyons ce qui se passe. Alors par contre, comme je suis un mec super fluff qui est de matos, je vais sortir une petite carte. Allez, si je fais une touche sur tes broadside, tu as mouvement divisé par 2. Ok. T'as moins de advance et moins de la charge. Très bien. Ça me coûte un PC, du coup je vais retirer tout de suite. Je t'ai passé à 8, je repasse à 7. Je te fais D6 tirs. T'as combien de figurines? T'as 6. 3. Minimum 3, parce que c'est du blast. C'est très très fort. Non, les drones comptent pas. C'est pour attrition. Unité, ah si, ça compte du coup. Ah oui, bien sûr. Ça fait 10 tirs, j'ai fait une touche, je te mets donc l'obus. Minimum 3, donc ça fait 4. Ça par contre, j'utiliserai éventuellement une relance si je ne fais pas une touche, je vais juste faire une touche. J'en fais 2. Donc t'es obus tremblotérisé. Je fais quand même mes blessures, c'est force 6. J'en fais une. Une. APA. PA moins 1 pour 2 dégâts. A3. Voilà, c'est fantastique. Tu es donc obus tremblotérisé. Je vais faire mon D3 touche auto du coup dans lui. 3 touches, ça c'est fantastique. Bon, ça va du 3+, PA-3. Donc le premier, ça ne passe pas. Le deuxième, ah, il a moins un hit en plus. Ça touche auto. Ah oui. Alors auto à moins 1, auto. Ça fait auto quand même. Le deuxième, il blesse. Et le troisième, il blesse également. Ça fait donc 2 blessures à PA-3. Ok, PA-3 pour décider les gars. C'était bien une heure du 5. Pour décider les gars. Décider. Ouais. Eh ben, il a sa 4+ invue, donc on va voir ce que ça donne. Il est tranquille, Colstar. Il veut pas. Celle-là va tirer. Je vais faire tirer celle-ci avec son obus tremblotaire aussi. Bon, bah, du coup, il n'y aura pas strata. Ça va aller dans les crises qui sont là. Donc c'est des 6 tirs. Il est fort. Très très fort avec Kirig. Bon, ça touche à 5 par contre. 2 touches. Force 6, sans du 5, c'est du 3. 3 à moins 1 pour 2 dégâts. Moins 1, bah, je vais le mettre sur celle qui a l'exo-armure, donc à 2+, moins 1 à 3, pas mal. Et dégâts? Dégâts 8. Dégâts 2. Dégâts 2, bah, j'ai 2 finopé du coup. Ah oui. Merci, sur du 5+, un dégât. Du coup, j'ai ma phase de charge à faire, je vais tenter ma charge à 9 reroll sur eux. Ok. Ils sont mis cachés pour pas qu'ils puissent... Suspense. Du coup, bah, je vais mettre un PC... Pour que tu aies moins 2 à ta distance de charge. C'est ça. Fais chier. Tra. Il a fait un gros 10. Ouais. C'est dommage, on a ça. Oh, voilà. Il se prend les pieds dans le décor, il tombe par terre. J'aurais pu dépenser mes PC pour comment dire, pour ignorer Maus, mais bon. C'est dommage, ça serait passé, mais c'était difficile de mettre un PC. Ouais, sachant que tu vas pas en gagner aussi facilement que moi, c'est vrai que ça fait dur. Ok, ok. C'est la fin de mon tour, du coup. Donc ce qui fait que nous passons tout de suite à mon tour 2. Donc, début de ton tour 2,
Comme de coutume, phase de co, le PC réglementaire. On passe à 5 PC, c'est ça? On passe à 5 PC. Très bien. Tout de suite, devant vos yeux ébahis, je vais tenter les invocations élémentaires de l'éthéré pour regagner le PC sur du 2+. C'est un 6. Et pour mettre le Feel No Pain à 5+, pareil, sur les squads de Battlesuit, comme tout à l'heure. Voilà. Un 3. Un 3. On est content. Donc ça passe. Donc t'as un PC en plus, t'es à 6, donc. C'est ça, je remonte à 6 PC. Ça, c'est très, très, très fort. Fort bien. Very fort. Very fort. Ce qui va se passer, c'est que le Commander Cold Star, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, parce que j'avais pas besoin de le faire, il va mettre une Advance Auto à 8. Enfin, c'est pas une Advance Auto, du coup. Il va rajouter 8 au mouvement sur les squads de Battlesuit qui est là, au moment de sa phase de mouvement, s'ils advance. Ils vont reprendre un coup d'objectif sécure par le commandeur qui est caché derrière. L'enforceur qui est caché. L'enforceur qui est caché derrière. L'étage, là. C'est ça. Et pour l'instant, c'est déjà très bien. Je n'ai pas forcément besoin d'en faire beaucoup plus pour le moment. Fin de ta phase de commandement, qu'en est-il de ton scoring, du coup? Parce que tu as marqué des points. Oui, alors, au niveau de la phase de co, vu que je tenais 3 objectifs, mais pas plus que mon adversaire, je marquais 8 points de victoire. C'est bon, phase de commandement, c'est bon. Okay. Donc, fin de ta phase de mouvement. Fin de ma phase de mouvement. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, après avoir justement un petit peu assaini ce côté droit de la table, j'ai déporté quasiment toute mon armée pour la polariser vers la droite. Ce qui fait que même avec un T2 ou IWAG, il sera quand même assez loin des distances de charge, notamment avec ses véhicules qui sont ici, ce qui vont devoir slalomer entre les décors. Donc voilà, il se passe pas mal de choses, on est content. À la fin de phase de mouvement, j'ai utilisé un PC pour que mes marqueurs laser passent sur un 2+ et avoir un mouvement normal avec la Strike Team. Et au début de ma phase de tir, je vais mettre un PC. Tu as pas parlé du petit bonhomme là. Oui, t'inquiète, je suis toujours au début. Ça le stresse, c'est pour ça. Et je vais mettre un PC pour pouvoir rebouger après avoir tiré avec cette escouade de Battlesuit ici. Qui sont les Battlesuit Bodyguard. Comme ce que tu as fait au tour précédent. Exactement ce que j'ai fait au tour précédent. Et effectivement, ici, le Cold Star qui était positionné en milieu de table ici, est venu se mettre au milieu de la kill rig et de son escouade de boys, non seulement pour laver le pack de boys, comme ça il pourra pas mettre sa bannière à ce moment-là. Comme je suis derrière l'occultant, s'il me charge, je pourrais refaire un mouvement normal de X pouces. Et là encore, s'il veut venir me le chercher une fois qu'il sera caché ici, eh bien, il devra mettre beaucoup de ressources. Donc là, on polarise vraiment loin de ses ressources à forte mobilité. Donc, début de la phase de tir. Justement, on va commencer par le commandeur Cold Star pour voir à quel point ça se passe bien de son côté. Du coup, on a dit, le commandeur Cold Star qui est là va mettre son canon surcadencé dans l'escouade de boys qui est juste devant lui. Il va mettre son éclateur à fusion et son fusil à plasma froid dans la kill ring qui est juste à côté. Okay. On est parti pour l'aider. Bon, c'est parti pour quel tir ici? Là, le canon surcadencé. Ça, c'est le canon surcadencé. Touche à 2+. Je vais faire... Non. C'est comme ça. Et ça, c'est l'éclateur à fusion sur la kill ring. Touché. Et le fusil à plasma froid. Touché aussi. Tout à toucher, c'est formidable. On va faire les blesses maintenant sur le pack de boys. Tu penses combien? 5. Mais j'en ai 5. Voilà, donc sur du 4+, reroll des 1, puisque deuxième bon tour. Pique. Hop. C'est nul. Voilà, c'est bien vu. Je vais en relancer une du 7 tôt, parce que c'est important de laisser chez eux quand même. Hop, hop, hop. Donc, ensuite, la blesse de l'éclateur à fusion sur le Carus. Voilà, c'est un gros 6. Et ensuite, le fusil à plasma froid. Voilà. Dégâts 3 à chaque fois. Dégâts 2. Ça, c'est D6 plus 2. Et ça, c'est flat 6 plus 3. Putain, d'abord, la save des boys. Bon, on a perdu moins 2. Ils n'ont pas de save. Bon, Kirig a fait un vieux à 6 du truc qui fait mal. Non. PA beaucoup, mais c'était pas... PA moins 5, du coup, parce que deuxième tour de mon cas. Et le fusil. Non. Et D6 plus 2 sur le... Oh. Ça fait bah, 8 et 3, 9. 9 dégâts gratos comme ça. Et du coup, 4 morts sur les boys. 9 et 3, donc elle a 12.
Donc, petite mise au point d'après-tir de la Cold Star. La Cold Star, bah, elle a séché, du coup. Elle a fait 4 morts ici. Et 12 PV, là. 12 PV, là. 12 PV sur les full touche, full bless, full dégâts. Ah, voilà. La fiabilité là, du septo, on la sent bien. Donc ensuite, je vais tirer avec la Ghost Kill, qui est arrivée en fond de cours, grâce à son stratagème de folie. Je vais tirer avec son gros canon... paradoxalement sur les boys, les 6 tirs sur les boys, et je vais mettre ces petits tirs de sulfatation dans la kill rig. Elle a encore 4 PV, donc tu me feras plaisir de ne pas aller la tuer, s'il te plaît. Ah bah, de toute façon, elle mourra des battlesuit, hein, mais bon, c'est juste pour ne pas perdre les tirs en l'occurrence. Donc, le gros canon sur les boys, sur du 4+, je vais mettre tout de suite là-dedans la reroll du 7 tôt, et non. Ensuite, sur du 4+, sur la kill rig, plus de reroll. On va commencer par la blesse sur la killerie qui est à 5+. Pas de reroll parce que beaucoup trop loin. Et les blesses force sur du 3+. Pas de reroll parce que trop loin. Ouf. Pour un PC, je vais en reroll 1. Me passant à 3. Allez. Voilà. 3 morts comme ça. Et une sauvegarde à faire, PA 0. Sauvegarde. PA combien? 0. Bon, c'est ça. Oh, c'est tanké. Ah, c'est tanké. Ah, ça y est, ça manque. Les canons d'induction. Bah, du coup, tant qu'on est là, on va finir la kill rig. Donc, on a dit, j'utilise un pion de marqueur laser sur la kill rig pour que l'escouade de battle suit de Fontad touche à 3+. Au final, ça, c'est le plasma froid et ça, c'est le cyclo-raser à ion en surchauffe. Oh la vache. Top départ. Oh là 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 là. Alors. Oh là, il est indécent. Du coup, j'ai que des D6. Hein, je vais utiliser la reroll du septo sur le 1 pour prendre la BM. C'est pour éviter la BM. Ne soyez pas de mauvais augure, s'il vous plaît. Tout blesse à 4+. Tu me fais un verre, s'il te plaît. Ah merde. Ouais. Ça fait quand même beaucoup. J'avais pas la reroll d'âme parce que je suis à. Beaucoup là. C'est la PA moins plein, donc c'est-à-dire qu'il faut que. La PA moins 2 seulement sur ça. Sur ça, et PA moins 4. Donc là, c'est du 5+. Voilà, ça règle l'histoire. Là, c'est du 6. Voilà. Elle explose. Est-ce qu'elle explose? Ah, ça, ce serait super. Marrant. Tu me déçois. Alors, du coup, ma Kirik est morte. Hein. Elle n'a pas explosé, ce qui est mon plus grand désespoir. J'ai débarqué les boys. J'ai eu aucun mort, comment dire, j'ai le débarquement. En débarquant, je me suis mis à plus de 30 pouces des SMS. Il y a Longstrike, je sais pas s'il me voit, mais je sais pas si c'est la plus grande cible. Je vois toujours. Je me suis mis un petit peu proche. De toute façon, elles ont tiré, donc je pourrais pas me prendre des tirs d'ici. Ça a tiré. J'ai juste ces crises là et celles qui sont là, mais bon, ils ne me voient pas. Donc, tant mieux. Hein. Ils sont sécures. Les Croûtes vont tirer tout ce qu'ils ont dans les Shockboys. Les Croûtes qui sont là. Exactement. Ok, c'est parti. Touche. Il y a encore 6 PV. On se rappelle des 6 PV qu'il a fait. Ah, il y a des As. Ah, j'aime bien, moi. Ça, c'est mieux pour mon adversaire. C'est bon, sur du 4+, c'est stat, en fait. Oui, c'est stat. Bon, ça va. Hop, ensuite, force 4 en du 5. Ah, ça tente. Laisse ça à Custodes. C'est mon endurance que Custodes, ça se voit. Hein. Par contre, je suis à 12, donc j'ai la reroll des As à la place. Ah, merde. Aïe, aïe, aïe. Allez, 3 PS0. J'ai une Magic 6+, un super t-shirt. Allez. Qui n'a pas. 3 pas. Les Broadside vont mettre leur tir de très gros canon dans Gascul qui est là. Le gaz. Et ils vont mettre leur tir de SMS sur les commandos qui sont là. Sur les commandos. Commandos. Okay. Alors, on commence par les tirs de gros canon. Bien sûr, j'utilise un marqueur light. Donc je toucherai à 3+. Je vais faire une reroll du 7 tôt. Voilà. Bon, je pense que Gascu va prendre ses 4 PV. Je pense aussi. En toute force 9, et toute sincérité. Blesse à 3, pas de reroll. Donc il y a déjà plus 3 BM en plus. 3 BM. Il faut juste en rater une. Bon. Ensuite, les tirs de SMS dans les Shockboys. Donc les SMS. Soit, voilà, j'utilise aussi un marqueur light. Non, dans les commandos. Ça, c'est les Shockboys. Ah, c'est ça. Ah, non, ça c'était pas sur les commandos. Ah, pardon, ouais, oui, les commandos, pardon, oui. Je fatigue. Wow. Il n'y a plus de reroll parce que badaboum, ça touche sur du 4+, cette fois-ci, parce que justement, il n'y a pas les marqueurs light, ce qui est un très beau jet. Ah oui, c'est joli. C'est un peu trop. Blesse à 5,
à 4, hein, tu forces 5. Je laisse à 4. Oui, c'est ce que j'ai dit quoi? C'est je laisse à 5. Oui, non, blesse à 4. Ça ne change absolument rien. De toute façon, ça change absolument rien. Il y a des malus, mais il y a moins 1. Ouais, il y a moins 1, mais c'est bon. Voilà, bah, c'est un jet très coquin. Spécial dédicace à NetBlitz. Salut les copains. Et RIP. Non, bah, je vais du coup mettre tous les tirs de Long Strike là-dedans. Mm-hmm. Les SMS, mais surtout, je vais utiliser un PC. Ah, pour faire du zoom. Pour transformer son arme qui est une un seul tir en nombre de jets par figurine de l'unité ennemie. Et sur de la 4+, ce sera une BM. Donc on commence par ça. J'ai pas tout compris, mais ok. En gros, au lieu de faire un seul tir de gros canon, je jette autant de dés qu'il y a de figurines dans l'unité. Okay. Sur les 4+, c'est une BM. Un tir dispersé. Un tir dispersé, c'est ça. Donc sur les 4+, c'est une BM. Parti pour la dispersion. Oh putain. Voilà. Oh mon dieu. C'est odieux. Il restait les tirs de SMS derrière, donc il y a déjà 4 morts. Oui. Mais un, c'est un PV, je suppose. Il y a un PV, mais 2 sur le 9. Donc là, en fait, il y en a 4. En gros, il en tue 3. Hop là. Oh. Et blesse à tout ça. Donc PA a toujours moins 1. Le poisson est odieux. Bah, je suis mort. Comment te dire? C'est des chocs de choqué. Il est très indécent. Il est très indécent, le poisson. Eh ben, fin de ma phase de tir, du coup, qui va finaliser mon tour. Fin du tour, excellent tour. C'est bien. Un peu trop excellent. On va se dire que c'est un excellent tour. Je vais répondre à ça. Je vais répondre à ça. Un excellent tour. T'avais pas un Fire and Fade à faire ici avec Si, je vais faire les Fire and Fade. Et en termes de scoring, pendant que je fais ça, j'ai 2 unités dans ta zone de déploiement. Ça va pas durer. Donc je vais mettre 4 points de victoire. Ça va pas durer. Cumulé aux 8 que j'avais mis. Ah, ça va vraiment pas durer. Et au niveau des personnages, on comptera un peu à la fin ce que j'ai tué, etc. Mais là, je viens déjà de tuer un perso. Donc, on a un moral à faire. Je laisse faire tes Fire and Fade. Après, moi, je verrai comment j'organise pour mon moral. Parce que pour ton moral, au niveau des PC. Ah, et tu vois, je vois qui je vais immuniser. Ça dépend. Donc, on voit ça après. Alors, fin de ton strike and fade, on va dire. Exactement. Donc, à bouge, donc, ils sont trop strike. Ils sont retournés un peu en arrière, ceux-là. C'est ça. Et bah, même coup qu'avant, eux, ils sont allés se planquer ici. Exact. C'est, je pense, être un pattern qui se met en place. Oui. Donc, début de ta phase de commandement, tu marques 4 points. Je marque 4 points, j'ai 3 points de bannière, je lance ma WAG, et là, on va commencer à répondre. 3 points de bannière, du coup? Et 3 points de bannière, ouais. Donc, tu lances ta WAG. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que ça induit de lancer cette WAG? Ma WAG, ça me permet d'advancer de charger, ça me permet d'avoir aussi plus une attaque. Enfin, advancer de charge, c'est juste avec ce qui est base et personnage. C'est-à-dire tout ce qui me reste, presque. Donc bon, je vais courir très vite, j'espère. Je vais rentrer dedans comme il faut. J'espère. Parce qu'il fait Mario, il fait Mario. Je vais lui mettre des baffes. Il fait le saut. Je vais l'arrêter un petit peu, il va se prendre des baffes. Donc on peut passer à ta phase de mouvement? On peut passer à ma phase de mouvement. On se retrouve après. Fin de ta phase de mouvement, il s'est passé plein de choses. Qu'est-ce que tu peux là, nous dire? Là, c'est plein de choses, j'ai fait des choses avec mon corps. Alors là, du coup, j'ai fait une advance, petite advance à 1. Que j'ai décidé de ne pas relancer, donc là ça m'offre une charge à 6 sur les croûtes, potentiellement à 4 ici, 6 s'il met son malus. Gascu a fait une bonne advance, donc il s'est mis là, il y a une charge à 7 à faire sur les croûtes. Là, j'ai fait avancer mon truck boy, il a débarqué son petit comité, qui ont fait des bonnes advances, donc à 5 et à 6, ou même à 5 et 6. Ouais. Voilà, donc je me suis mis devant, le but en fait c'est de charger son commandeur et ses mecs qui sont là, enfin les cibleurs. Normalement, je devrais les tuer, ou du moins en tuer beaucoup. Et surtout, c'est de cliquer les crises, enfin les broadside surtout. Éventuellement les crises aussi. Là, je me suis mis sur objectif pour reprendre. Macari est resté dessus. Là, je suis aussi dessus. Là, Kirik s'est mise dessus. Elle a une ligne de vue et une portée à 24 sur le commandeur pour éventuellement tenter de le défoncer, hein, tout simplement. Et puis voilà, donc ça m'assure au moins ma domination, vu que j'en ai 4 plus que lui. J'ai également mes 3 points de bannière. Là, le but, c'est de rentrer un petit peu dedans. J'ai conservé aussi un truc ici pour, comment dire, j'ai encore une petite ressource. Là, les boys sont encore embarqués. Les 3 qui sont là restent là. Ils sont bien, ils sont contents d'être là. Phase de tir. Alors, la Kirig, elle va tout mettre dans lui pour essayer de désinguer. La Kirig sur le Colstar. C'est ça. Donc, ce qu'on dit tout, c'est surtout la touche auto qui m'intéresse, vu que j'ai pas manifesté de spell. Donc, je vais essayer de lui mettre une blesse. Hein. Faisons. Deux blesses. Une blesse. Enfin, c'est une vue. Une vue à 4. C'est ça. Ok. T'as combien de PV? Il m'en reste 6. Oh putain! Le 6 magique? Est-ce que c'est un DC dégâts?
Ah, et pour Gork. Oh putain. On parlait de ma chance. On parlait, putain. Aïe, aïe, aïe. Bah, du coup, c'était une save. Ouais, c'était une save. C'était une save. Bah, écoute, je vais claquer mon système personnel pour avoir Finopena 4+. Parce que. Donc. Ça se passe comment ce truc-là? Tu fais. C'est une fois par game entière, après avoir raté un jet de save. C'est pour ça que j'avais plutôt peur que tu me tues à la BM. Bah, je m'injecte un stimulant. Et là, Finopena 4+. C'est bien parce que c'est après le jet de save, vrai. On peut relancer un jet de save? Non, Finopena ça rentre pas. Ah bah, ouais, c'est le truc. Alors là, les gars. Alors là, voilà. Ça c'est collector. Alors là, tiens, ça s'appelle un karma. Ouais, ma coaster, tu peux pas la charger. moins un hit étouffe. Oh là 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 là. Ouais, ça t'apprendra à réussir tes invus juste avant, là. Je mets tout mes lance-flammes dans les crises. Il pourra tenter à 3+, mais bon. Si j'arrive en tuer une, ça serait rigolo. C'est parti, c'est la touche auto. Si touche automatique, ça fait 10, ça fait 11. C'est du 4+, t'as fait à moins 1. Ah là 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 là, ça y est, quand j'en CD, hein. Ah bah tout de suite, ça t'es pas le seul, hein, c'est du poisson à l'étouffer. On est sur de la 3+. Tu as fini ta phase de tir? Ah oui, j'ai proprement fini ma phase de tir. Ah, c'est grandiose, c'est grandiose. Ah oui, c'est fantastique. Gascule, il tire jamais? Bah, il y a Advance, donc non, il va pas tirer ça. Ah, d'accord. Par contre, je vais faire ma phase de charge. Voilà, je vais envoyer Gascule qui va charger les proutes. Ah, allez. Gascule. Quand charge et prout, donc si je lui charge à 7, il peut relancer nativement. Allez. Parti. Allez. Il s'en pas vole. Besoin. Autant il s'envole. Il avec moi au dé, autant là. Il s'énerve à coup. La stratwag. Vous savez, en fait, il est tellement gentil qu'en fait, je vais faire 11, je vais me mettre ça. Et en fait, quand j'ai tué, je pourrais me mettre à portée engagement des crises vu qu'il s'est collé au mur. Il peut se prendre un café sur la route et tout. C'est... Donc, donc les crises devront tirer sur Gascu et pas sur autre, sur quelqu'un d'autre. Ce qui me va parfaitement. Les stamps, les trucs là, je sais pas comment, les boys, ils vont charger les croûtes, j'avais une charge à 6 à faire. Donc sur les proutes, on les appellera les proutes, parce que ça va faire proutes. Tu charges à combien? Charge à 6. Oh, 6. Sans problème. Fais une charge à 7. Je vais ignorer avec Big Boss. Donc j'ai payé un PC, le Big Boss ignore. Le Big Boss, il est... Le modificateur de charge. Là, avec ses cheveux, il faudrait juste que je... Big Boss ignore les modificateurs. Parce que là, faut juste que je vois, est-ce que je suis à plus de 3 ou pas? Donc je charge à 3. Voilà, j'avais 4. Donc je vais charger uniquement les Pathfinder. Ok, bah là pour le coup, moi je mets le stratagème. Ah, excuse-moi. Pour que t'es moins 2, c'est pas grave, ça change pas. Mais c'est surtout pour que tu aies moins 1 à la touche. Ok, ça marche, donc j'ai fait 11. 11 à la charge, moins 1 à la touche pour le pack de Megadobs. Est-ce que je te les mettre s'il te plaît, juste un petit peu. Écoute, on les laisse là pour l'instant, mais on voit bien qu'ils sont cliqués et on sait que tu pouvais aller très loin. Donc ouais, je les charge à 11 en plus. Tu pouvais vraiment aller, tu pouvais largement aller jusqu'au long strike. Je peux même aller chercher mon strike. C'est ce que j'étais en train de regarder justement. On laisse placer ça tranquillement et on voit ça après. Alors, du coup, fin de ma phase de charge, c'était vraiment pas mal. J'ai fait une charge à 7 donc avec les boys qui a réussi. Le but, c'est bien entendu de complètement laver les croûtes avec Gascuil et eux. Ensuite, eux, ils auront cliqué là, sachant que lui, il ne peut pas se désengager et tirer. Le Big Boss, donc j'ai payé mon PC pour annuler les malus. Je vais chercher le petit bonhomme ici, ça serait bien que je le tue. Les Meganobs, ils ont un malus de 2 à la charge avec les cibleurs, et en plus moins 1 à la touche. Finalement, j'ai fait une charge à 11, ce qui fait avec moins 2, 9. Et en fait, on a regardé, je me suis un petit peu étalé, il y aura tout le monde qui pourra taper les... Comment dire, les cibleurs. Et avec le pin, en fait, je me suis mis plus proche du dernier cibleur ici. Ce qui fait qu'en fait, avec mon pin, je vais me rapprocher de lui. Et en fait, en me rapprochant de lui, je pourrais aussi me rapprocher du Hammer Rider. Ce qui fait que à la consolidation, je pourrais forcément aller engager le Hammer Rider. Enfin, long strike, quoi. Ah oui, j'ai oublié de préciser aussi. Gascule, étant donné que j'ai fait une grande charge, il va pouvoir aller engager les Crisis. Ils sont là. Hein. Je me suis mis à plus d'un pouce. Mais avec, le pin, en fait, je vais tout simplement... tourner comme ça pour rentrer cette fois-ci dans les 1 pouce, sachant que les crises ne sont pas super OP, donc il pourra pas... Je les ai buffés à ma phase de complément. Ah, tu t'es mis super OP. Moi, t'en as combien? T'en as 3? J'en ai 5, derrière. T'en as 5, c'est pas rare, parce que je serais super OP aussi là-dessus. Voilà. Du coup, j'active Gascule. Petite attaque, plus 1 avec son tresseur de guerre, plus 1 avec la WAG. Il relance tout,
Et comment dire, chaque jet de 6 fait une touche de plus. Donc, je vais prendre mes 6 dés et je vais les lancer. Et on va voir ce qui se passe. Alors je lance 1 ici, j'ai un 6 qui font une touche de plus, genre juste ici. Bon bah voilà, ça compense. Ouais, bienvenue, c'est ça. C'est ça. Ça a blessé à 2 plus parce qu'il a force beaucoup, force 12. Contre beaucoup. Voilà, ouais, ça se fait. Allez hop, 4, 6. Eh bien 8 morts. J'ai du coup activé les boys. Et là, je vais payer un PC pour faire un engagement de 3 pouces supplémentaires, donc de 6 pouces. C'est que lui est plus proche de ce route là. En fait, ceux-là vont aller là. En fait, je vais m'étendre un petit peu. Je devrais laver les derniers croûtes. Je vais en mettre 5 sur objectif, enfin 6. Comme ça, il y aura avec SQ, ça fera 6. Comme ça, il ne me reprendra pas objectif ici. Ici, il sera cliqué et je serai content. Voilà, donc alors juste pour résumer, donc tu as étendu tout ton pack de boys ici pour la fois aller impacter les crises ici et mettre un maximum de monde sur le. Sur l'objectif là, utilisant ton stratagème qui permet de piline de 3 pouces en plus. Supplémentaire, ça. Du coup, je vais activer les 3 qui sont engagés ici. Ils ont un foudre des touches à côté de Gascu, donc je fais déjà le 9, hein, le 9 ça devrait être suffisant. Il fait un 6, ça fait une touche de plus. Il a force 5, force 6, force 7, voire même force 8 de plus. Donc, c'est pareil. Plus. Allez, salut. Ça en fait 4, et celui de dégâts 2, ça te tue. C'est fini pour les croûtes. Salut les croûtes, vous avez fait le job. Je fais pas un mouvement de consolidation ou quoi que ce soit parce que j'en ai pas trop l'intérêt, même pour bloquer ou pour faire quoi que ce soit. Donc je vais activer mes méga mobs. Ce qui s'est passé du coup, c'est que là en fait celui qui était derrière, il s'est rapproché avec 3 pouces de lui en rentrant dans les 1 pouce du Hammerite, ce qui fait qu'en fait il est engagé. En faisant ça, je me suis mis en fait assez proche de eux, donc soit ils sont théoriquement en bas. Mais il reste quand même à plus de 1 pouce des croûtes. Vu qu'en fait, ces socles de 25 mm font moins de 1 pouce. Et que si je les tue, que je suis soclé, il est quand même engagé avec les croûtes. Et potentiellement, il peut me faire mal. J'en ai pas envie. Donc, je mets à plus d'un pouce des croûtes, tout en engageant ici. Puis, je vais mettre des patates de four. Hein. On va voir ce qu'il a répondu à ça. T'as plus de croûtes nobs. Chaque nobs a 4 attaques. Je suis en wave. 3 plus 1. 4 x 4, 16. Voilà. Or, c'est intelligent. Ils ont plus 1 pour toucher avec le boss qui a le mot-clé camionneur vu qu'ils ont aussi de récupérer, donc ils ont plus 1. Par contre, ils ont moins 1 avec les pinces et moins 1 encore avec son strat à 2 balles. C'est ça. Ce qui fait moins 2. Donc touche à 4 plus. Je touche à 4 plus du coup. Hop, hop. Ça fait 4. Ça fait 8 touches. C'est fantastique mon stat. Ton moins 1 en plus mon bête. Ouais. Je baisse à 2 plus du coup. Par contre, oula. Tout ça de mort, je suppose. Ça fait 8 morts, ça fait à moins 3. Ça fait mal. Ça fait à moins 3, ouais, donc 8 morts. Donc on... J'active du coup mon Big Boss. Big Boss a 5 attaques de base. Et on gagne une avec son. Avec la WAG. Ce qui en fait 6. Avec son trait, dès qu'il rate une attaque, il refait. Enfin, il va mettre des côtés, il refera. Enfin, il relancera l'attaque. Par contre, c'est pas cumulatif. Donc potentiellement, il peut le tuer. Il est dégâts 3, il n'y a pas de menu, il touche à 2. Je fais donc 6 attaques. Il y a un as, deux as, donc je vais refaire les attaques. Je te blesse à 2 plus. Il force combien ? Force 12. Oh voilà, donc okay. Je referai deux attaques, je te laisse faire tes invus, c'est du dégât 3 qui passe à dégât 2 vu qu'il réduit de 1. Alors déjà, dans tous les cas, je vais mettre mon dernier PC pour qu'il y ait un des shield drones qui prenne. Là, par exemple, c'est du centre. Et de la 4 plus. Voilà. Sur des PV, du coup, moi j'ai fait deux as, j'ai refait deux attaques vu qu'il y avait l'attaque plus magique. Après l'attaque. Il y a tout qui touche et ça baisse à 2. Il y a tout qui baisse. C'est fantastique. Il ne mourra pas. Ah. Eh ben écoute, on va s'activer. Très lourde phase taux. Il a tanké le combat des taux. Alors, le contre-close d'une violence sans nom. Le commandeur renforceur qui est là, il va tout mettre ses attaques de cac dans le vilain personnage. Les 4 attaques de Gant Léonagle. Et on va voir combien je fais d'attaques de flammeur. D6 plus 2. Ça fait 5. 5 et 2, 7. Voilà, j'en ai pris pile le bon nombre. Donc tout ça, full reroll, touche à 3 plus. Oh. Ah. Oh. Oh. Ah. J'en ai 6. Blesse. Blesse à. En du 5, je suppose. En du 6, quand même. En du 6. Eh ben, blesse à 3 pour le gantelet au nagre et blesse à 5 pour le flammeur. Yes. Full reroll grâce au trait.
Eh ben, on va tout relancer. C'est très énergique. Bah, c'est pour motiver la haine. Là, par contre... C'est ultra sous-stat quand même ce qui vient de se passer. Oui. Ouais, ça se rend compte en full reroll, sortir avec seulement 4 blesses. Donc PA-2 pour ça et PA-4. Alors du coup, non bah il est mort. Et voilà. Et en plus il était bel et bien mort. Les deux petites attaques des Pathfinder sur les... Bon là ça devrait bien se passer quoi. La blague. Une reroll du 7 taux qui fonctionne aussi, ok. Deux touches, force 3, en du 6. En du 5. En du 5, bah 5 plus. Oui. Une seule, PA-0. Il n'y a pas un pire à la con, Vous êtes tellement mauvais avec les Pathfinder. Ensuite, par contre, les contres qui sont importants. Il va y avoir 15 attaques de Battle Suits sur Gasgun Track. Non, mais on se calme. Voilà, c'est du 5+. Mais des fois, sur les jets énervés, comme ça, par exemple. Ouais, bon, ça lui fera pas voler ses PV, mais une reroll du 7 taux. Non. Force 5. En du 7. Donc sur du 5+. Combien ? 3. Ne mourra pas. PA-0, 1 de plus, c'est bon, voilà. Et par contre, celle qui risque de faire plus de dégâts, ah, les boys. C'est dans les boys, effectivement, les 3 battle suits du fond là-bas. Sur du 5+, à quoi ça sert de faire ce genre de jet maintenant? C'est pas les fins. Je voulais réussir les fin open tout à l'heure, moi. Une reroll, 7 taux. Force 5 en du 5, par contre. 4+. Sérieusement. 5, PA-0. Sérieusement. Non, mais ça redescend. C'est vrai que sur ce nombre d'attaques, c'était fou. Oh putain. Et ben voilà. 5 morts. Et du coup, là, ça va l'obliger à faire un vrai choix parce qu'il avait très bien joué en jouant à cordon. Mais là, ça va être compliqué. Là. Là, la difficulté, c'est que. Ben, il va falloir qui faire des choix. Est-ce qu'il reste sur l'objet? Est-ce que. En fait, c'est pas grave, je vais rester cliqué parce qu'en tous les cas, j'ai 4 objectifs là. Donc, moi, ça me va. J'ai donc 5 morts. En fait, je vais. En fait, si je retire 5, genre comme ça, t'es plus super OP avec eux. Si, je suis toujours super OP. Comme super OP. Jusqu'à ma prochaine phase de cours. Et t'en as 3. Ce qui fait que si je retire un mec là, et que je mets un PV sur le Nobs. Ah, tu peux faire ton cordon puisque tu es passé à 5, en effet. Ouais. Bah, on va faire tout de suite le moral, j'en ai perdu 5. Attends, juste pour le fun. Les 3 attaques de long strike. Attention, long strike. Oh, du 6. Ah, il reroll 7 taux. Un moral ici. Le moral 2, pardon. Moral de 7. J'ai encore une nobs. Des nobs, allez, c'est parti. Bon, bah, dommage. 7 et 4. J'ai donc un mort. Bien, alors, fin de ta phase de morale. Bah, c'était un peu triste quand même ce qui s'est passé. C'est malheureux. C'est très malheureux quand même ce qui s'est passé. Hein. Bah, c'est très malheureux. Que les 3 petits boys là-bas. Là, ouais, là où il aurait dû en rester quand même le double, mais bon, ça arrive. Ah, bah, c'est la loi de la jungle. Ouais, attends, j'ai aussi un test de morale, pardon. Ah oui, ah bah oui, t'es pas Pathfinder en fait. Pathfinder. Ça nous fait. Attention. 6. Ah, ouais. Ah, dommage, on a perdu le couteau rituel. Et après un 6, tu fais un 1 généralement. Allez. Le 1. Bah voilà. 1 des 100. Il a été invoqué. 1 des 100. Phase de scoring, c'est Stronghold, c'est ça? C'est ça, et 3 points de bannière. 3 points de bannière. Donc ça fait un total de 3 et 3, 6. 6. Et peut-être parler du fait que du coup tu marques pas ton objectif. Et tu marques cause de... Oui, c'est vraiment dommage. Parce que tu es plus au corps à corps, mais comme tu as perdu ton méga boss. Ouais, c'est un peu dommage quand même. C'est bien malheureux sur un coup de... Ouais, je me fais un peu troller par l'idée quand même. C'est vrai que c'est marrant. Ça sonne donc la fin du tour 2. C'est ça. On passe au tour 3. Début de ton tour 3. Donc tu as récupéré ton PC, ça c'est bon. C'est réglementaire, dernier tour de Monka, qui va pouvoir me permettre d'advance. Enfin, c'est la fin de Monka. Si fort ce Monka pour connaître. Ce qui va se passer, en fait, à la phase de commandement, mon commandeur qui est là va donner le super OP aux battle suits qui sont ici. Commandeur qui est là? Ici, pour là. Pour là, enfoiré qui n'est pas mort. Je vais lancer mes invocations élémentaires avec le commandeur Tau. Sur du 2. Est-ce que je regagne le PC? Oui. Oui. Fin open à 5+, sur les squads de bodyguard battle suits. Oui. Oui, je t'ai mis le PC. Super, merci beaucoup. Bon. Et ensuite, Longstrike va filer à une escouade de... Enfin, au broadside,
le fait de pouvoir tirer comme ayant un marqueur laser. Et enfin, ce sera tout. Ce sera tout. Fin de la phase de commandement, début de la phase de mouvement, et là l'idée c'est de prendre la table, finir les grosses menaces pour scorer à fond sur les tours 4 et 5. Sachant que je ne mettais que 4 points de primaire parce que je ne contrôle que 2 objectifs. D'accord, oui, en effet, oui, pour le scoring, il faut quand même le noter. Voilà. C'est le but du jeu, je crois. C'est le but du jeu. Alors moi, c'était pas mon but à la base, mais là, bon, hein, je veux dire, mais bon. On peut dire, je suis pas venu pour ça. On n'est pas venu, c'est pour ça. Il devait pas me tuer 5 boys au coup. Mais non, il n'y a pas les armes. Mais bon, c'est comme ça, c'est la guerre. Fin de ta fin de ma phase de commandement se retrouve à la fin de la phase de mouvement. Ouais. Fin de ta phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu réussi un gros jet d'Advance Assist avec ce pack de Battlesuit pour aller chercher les pions objectifs de mon secondaire de cette taux. Enfin, d'Empire taux. Ensuite, on a juste chopé les lignes de vue un petit peu avec tout le monde pour pouvoir sortir les dernières menaces, récupérer les points, la kill rig, les Shock Boys. Le char qui est ici, potentiellement son dernier camion qui est caché derrière, peut-être je peux l'amoindrir, enfin je sais pas trop comment ça va se passer. On va dépop Gazgul au niveau des tirs au corps à corps avec les Battlesuit, parce qu'il lui reste plus que 4 PV. Ouais. Bon, il va pas, normalement. Ouais. Il va pouvoir taper en mourant ou pas, c'est pour ça que j'attendais. Il faut que tu me tues au close. Parce qu'il faut que je le tue au close, et en vrai, je vais le tuer à la phase de tir, donc il n'y a pas de lézard. Et ici, sur le pack de 3 Battlesuit, on va sortir les boys, et puis c'est ça. Et puis voilà, toute la saturation va passer, on va sortir ça, on va voir comment ça se passe. Comment ça se passe. Comment ça se passe, doucement mais sûrement. Début de la phase de tir. C'est parti, on tire. Alors, ce qui va se passer, c'est que sur le flanc droit, je vais déclarer mes armes à induction sur la troupe qui m'a cliqué, et les fusils plasma. Dans le char qui est au milieu de la pampa, c'est juste pour essayer de le sortir comme ça. Ah, tu peux tirer. C'est ça. Si tu peux déclencher un premier séquençage avec un type d'arme, comme un véhicule en fait. Attends, si tu les sèches là, tu pourras tirer. C'est ça, je pourrais tirer. Sinon, les tirs sont perdus et pour le coup, okay. Voilà. Donc c'est cool, oui, c'est considéré, c'est même vrai qu'un véhicule, ok. C'est ça. Hop. C'est fort. 3. C'est fort. Oui, c'est très fort. Ah, mais non, les Battlesuit, c'est pour ça quand on peut les rendre super OP et assez tanky avec le Philopen 5+, et la Cal plus 1+, voilà. Non, c'est tout ce qui est plus chiant. Hein. Ouais, donc les 6 cliquions dans les boys et les armes à induction. Attention, touche sur du 4+. Blesse à 3 parce que force 7 et blesse à 4 parce que force 5. Oh. Réroll du 1 parce que dernier tour de mon cas. Et bah ça, il y a bah voilà, 3 save à faire. Bah ouais. Ah, ils sont morts. Super. Pouf. Sur le char, avec les trois fusils à plasma froid. 3 touches. Ah, c'est force 8 en du 8. En du 6. En du 6, 3 plus. Oh putain. En full. Oh putain. Tout blesse. Il fait 9 PV sur mon char, putain. Putain, c'est vrai que c'est un peu triste. 9 PV sur le char, il y en a. Bah il en reste un. Ensuite, on passe avec le même séquençage de tir. Ici, les Battlesuit vont mettre toutes les armes à induction dans les Shock Boys. Ils vont mettre tous les fusils à plasma froid dans la kill rig. Et les cycling qui ont machin dans le char qui reste plus qu'un PV. Sur le pack de Battlesuit, tir contre le char. Et ça, ce sont les cycling qui ont. Ok. Sur du 4+. Ah, voilà! Dans mes stats, ça peut donner ça aussi, une phase de tir tôt pour voir. Oui. Parce qu'il est stats. Hop. Mais t'as plus de marqueur. Non, j'ai plus de marqueur, c'est ça qui est un plus grand bonheur. Blesse à 3 toujours. Et ben voilà. Bah, tu ferais presque aucun effort, mais c'est suffisant. Est-ce que j'explose? Alors, explose pas, t'appelles mon gars. C'est bon, c'est un deuxième explose. On va commencer avec une première salve pour les canons à induction sur les Shock Boys. Je pense que ce sera suffisant. On verra si j'ai besoin d'en lancer d'autres. Hop là. J'aurais besoin d'en lancer d'autres. Mm-hmm. C'est pas fou, hein. C'est pas fou du tout. Du coup, je vais tout de suite lancer ceux qui restent. 6. C'est beaucoup, hein. Et 6, ok. La suite. Plus. Voilà, c'est un mieux. Peu mieux. Un point de mieux. Hop, blesse à 4. C'est ça. Reroll D1, puisque dernier tour ça de mon cas. Ils sont morts. Oh, c'est, ils sont morts, voilà. Il y a moins 1. Ensuite, maintenant les tirs de fusil à plasma froid sur la killerie. Demandé. C'est parti. J'ai pas encore utilisé de reroll de cette taux, donc je vais l'utiliser maintenant. Hop. 2 touches. Force 8. En du 8. 4+.
Pas de reroll, une seule blesse. 3 PV, donc tu en restes 2. Il me reste 2 PV. Il lui reste 2 PV. Ok. Ensuite, on va faire les tirs d'écroute dans les Meg Boys. Meganobs. Meganobs. J'espère, hein, s'il te plaît, quand même. Je ne suis pas d'accord. 5. 20 tirs d'écroute sur les Meganobs. Touche à 4+. Je te rionner. Tu me rionner? Bah, totalement. Tu vas voir la blesse, ça va être quelque chose. Parce que là, c'est Zork qui tank. Hop. Bah, tiens, même pas besoin. Hein, parce que dernier tour de mon gars. Même pas besoin. Voilà. Parfait. Ça, c'est pour le fun. Ensuite, on va mettre les tirs des autres Battle Suits dans Ghazghoul Tracker. Et voilà, le bon nombre de. Hop. Tout ça blesse à 4+. Reroll D1 parce que je suis à portée de mon commandeur. Il n'y a pas de vin. Mais c'est un très joli jet. C'est un très joli jet. Ouais, quand même. Hop, hop. Blesse tout à 3, c'est ce qu'on a dit. Reroll les 1, puisque dernier tour de Moncta. Hop, et voilà. Tout ça. Dégâts 3. Flat 2, puis flat 3. Flat 2 sur... ah ouais, du coup... Flat 2 sur ça, et flat 3 sur ça. Ok. J'ai réussi les deux du coup. Après il y a encore les. Il y a encore la saturation. Je voulais aller plus vite pour. Il reste 2 PV 2 PV 2 PV sur Ghazghoul. Première salve sur le. 4+, reroll les 1. Il y en a encore en plus, c'est pas tout. C'est la statue. Ça va jamais. Là c'est de la statue. La Ghazghoul il aime pas. Alors, hop, effectivement. Mais blesse à 5+, reroll les 1. C'est pas mal. Bon, sachant que c'était pas tous les tirs. Hein. Bah, c'est ça qui m'inquiète justement. Il reste encore PA moins 1. On a tous à save. Si on a deux qui passent, il est mort. Vous en rentrez une hein, si, sur une 3. Si, hein. Ah, ça passe, ça peut passer, ça peut passer. Ça peut passer. Le jet. Ça passe! Un PV! Oui monsieur, un il PV. Reste à un PV! Oui monsieur! Ça c'est la tristesse. La Ghost Kill. Le gros canon va partir dans le char qui est juste là. La saturation va aller dans les boys, les boys qui sont en dessous. On va commencer par les boys. 4+! Pas de reroll d'aucune sorte. 4+, c'est ça. Reroll les 1. Oh merde, putain. Ah merde. Belle reroll. PA moins 1. Putain, c'est chiant ça. Bah, il meurt. Combien? 6 PA de moins 1? Ouais. Ouais, il meurt. Ouais, dommage. Dommage. C'est la fin des boys. Et les tirs de gros canon dans le véhicule qui reste. 4+. Une reroll 7 taux que je n'ai pas encore utilisé. Voilà. 3+. Force 8. 3+. 3+. Pas de reroll parce que je suis trop loin rapport au monde. Je vais tirer avec les battle suits. Il y en a une. Il lui reste combien de PV à la kill ring? 2. Il y en a une qui va mettre ses deux tirs de gros canon et son missile seeker dans la kill ring. Et tous les autres vont mettre et missile seeker et gros canon dans les mecs qui sont dans eux. Donc, tout ça. Voilà. Dans ça. C'est ça. Et c'est, tout, le tir, c'est le tir qu'on portait. Tous les SMS vont partir dans Macarena. Macarena qu'on avait presque oublié. Par quoi on commence? On va commencer par la première battle suit, enfin broadside qui est très important pour voir si j'ai besoin de rire. Touche à 3 plus parce que buffé par Long Strike. Je vais mettre une reroll 7 taux. Super. Normal. Et je vais mettre un PC pour reroll le gros canon. Voilà. Bless touche à 3 plus. Pas de reroll. Ça faut faire un double 6. Dommage. Tiens, bah, Flammer, est-ce qu'elle explose? Oui, elle explose. Ça change pas grand chose. Ça change la portée. Quoi? Sur du 3 plus, reroll les 1. C'est sur qui ça? Rappelle-moi. Sur les. Ah, les Meganobs. Tu leur en veux un petit peu. Exactement. Tout ça blesse à 3 plus. Peut-être plus 3. C'est force 5 les SMS. Non, c'est pas les SMS, ça, c'est les gros tirs de gros canons. Seeker et rail. Donc, hein, tu viens de me faire un full bless. Et voilà, c'est ça. La propre blesse, c'est ça. D'accord, ok, c'est fantastique. Voilà, t'as une TA, moins 2, moins 3 là-dessus, et moins 5 là-dessus. Ah, ils sont morts.
Ah, ils ont pas d'invue. Bah, ils nous parlent à deux, c'est tout. Ah, d'accord. Eh ben... Il est SMS sur Macarena. Et Macari qui se prend les SMS des Broadside, c'est parti. Attention, sur 2-3 plus, reroll des 1. C'est pas mal du tout. J'ai déjà utilisé mes rerolls tôt. En plus parce que là, il y a... Parce que Longstrike l'a buffé tout à l'heure avant de partir. Tout ça de tout. Et la reroll des 1 parce que je suis à portée de mon commandeur. Et c'est maître de guerre, je crois. 3 plus, pas de reroll. Ah, c'est moins cool. Bon, après, ça va jouer à la. Les plus un jeu, hein. Je devais faire une par une. Ce qui est chiant, c'est que t'es obligé vraiment de les faire une par une. C'est relou de fou. Et nous ça. La première, une. Et comme ça, tu nous épargnes. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Ah, trou du cul. Il est mort. Début de la phase de combat, c'est le joueur inopérant qui démarre parce qu'il n'y a pas eu de charge. Et donc. Le joueur inopérant, il a un gascule. Voilà, il reste un PV, et quand il a un PV, il est très très énervé. Il va te mettre des baffes. Ça va toucher à 2 reroll et 6 explose. Bon bah, ça tombe bien. Ça explose. Ah, alors il a ce reroll là, c'est toujours là. Il est toujours là. Il t'a 1, 2, 3, 6. Ça se baisse à 2 plus, j'ai toujours force 10. Bah ouais. Toujours. T'as une invue? Oui. Ah, il fait chier. Ah oui, invue 4 plus, une open 5 plus. 1, 2, 4, 6, 8. 10. Allez, tout le monde a une invue à 4 Bah, ceux à qui j'ai mis un système spécial dessus, mais oui, c'est vrai du coup. Invue K+. Ça, c'est très bien, ça. Je reconnais. Je pense que je vais me mettre un petit PC pour la relancer. On lance une. Ah du coup, flat combien? Flat 4. Flat 4. Eh ben, on va faire les Finopen. Hop. Eh ben, Finopen à 5+, pardon. Donc, la première ne meurt pas. La seconde meurt. Enfin, la même meurt, du coup. Celle-ci ne meurt pas. Elles ont tout un Finopen à 5. Ah oui, c'est le pouvoir de l'éthéré. Oui, j'étais encore sur le Finopen à 4. Et du coup, un tout petit Finopen réussi. Ouais. Et bah, deux même. Et bah, je vais refaire le dernier. Non. Et bah, trois mortes. C'est bon, ça. Autour des crises, donc ça fait 6 attaques, il me semble. Ça fait 3... 7 même. Ah oui, il y a le chasse-huit. Touche à 5 plus, reroll les 1, pas besoin. Ça me fait des jets de pouvoir. Blesse à 5 plus, et ben je vais faire une reroll. Non. Aïe. De toute façon, c'est de la PA 0 sur de la 2 plus. Oui, enfin bon, là, ce reroll là, j'y ai fait là tout à l'heure. Bien. Non, mais après, il va pas bouger, il va rester là gentiment. Gascule, reste énervé. C'est comme ça. Dans son coin. Fin de mon tour bien. 3. Bien. Au niveau du scoring, je vais simplement faire un point d'assassinat ici. Il y a un autre là. 3 points, 3, 6. Ah bah 6 points d'assassinat. Et je vais encore mettre 2 points de behind the line enemy. Behind enemy line. Fort bien. Et voilà. Très bien. Effectivement, maintenant nous passons donc à ton tour 3. Phase de commandement, tu récupères un PC. Un puissant, non, je tiens plus. Pas une puissance. Tu tiens plus ton point. Non. Donc tu ne récupères plus de PC, pas de PC. Toujours 3 points de bannière. Tu me marques 3 points de bannière. C'est contre le plus, je suis... J'ai quand même mes bannières de planter. Tu les as pas enlevées, ils gardent la bannière. Oui. Donc 3 points de bannière. 3 points de bannière, je note. Et c'est déjà pas mal. Et tu tiens un point. Donc ce qui nous amène donc très rapidement à la fin de ta phase de commandement. Oui, il n'y a rien à faire. On passe à ta phase de mouvement, on se retrouve juste après. C'est ça. Fin de la phase de mouvement. Qu'est-ce qui s'est passé? On commence par là, dis-nous. Eh ben, il me reste plus grand-chose. Parce que nous, j'ai contre un dos. Hein, j'avais fait pari d'essayer de ne pas me faire table rasée à mon T4, c'est mal parti. Bon, on va voir. Bah sinon, si tu fais table rasée au T3, tu ne l'auras pas fait au T4. Oui, c'est comme ça. J'ai bougé un petit peu ici. Le but, c'est de venir charger ici. J'ai déjà 6 à faire, de cliquer lui, en fait, avec la consolidation ou l'engagement, de venir cliquer également L. Tout en gardant éventuellement peut-être un petit pied ici. Ou au moins si je ne peux pas aller cliquer avec la cohésion, que j'ai cet objectif-là, cliquer lui et repris lui, si possible. Ce qui n'est pas super OP. Le truck il a bougé de 12, il a débarqué les Meganobs, ils ont bougé, ils ne peuvent plus advance et comment dire, et charger. Néanmoins, je me suis mis devant ses crises, il n'a plus de PC, il ne peut plus m'overwatch, il ne peut plus me mettre de malus de mouvement. Donc je vais froutir un petit peu, je vais charger, on va voir si j'arrive à en tuer une ou deux. Gascule, j'espère qu'il ne va pas se prendre son PV de la honte. Pays d'honte quoi, sinon ce serait un petit peu dommage. Et si tout se passe bien, qu'il arrive à tuer ici, que là j'arrive à prendre objectif, et en gardant celui-ci, je mettrai ma domination et je mettrai enfin mon point de qui mort au corps à corps. Je l'espère. Bien.
Let's go, hein. Let's go. Let's go. Tu n'as plus de phase de psy. Bah non. Bah non, donc on passe à la phase de tir. Bah oui, je vais foutre l'électricité. 5 des 6 touches automatiques. Donc c'est les nobs, c'est les méganobs. Je te fous. C'est avant que le flammeur. Allez, c'est parti. Bon, ça... Mets-moi le feu. Allez, bah, le c'est feu. Pas, c'est pas terrible, je t'ai fait 12 touches. Ah non, ouais, ça doit faire au moins 18. 10, ouais. 12. Ça fait 12, hein, du coup. Je te passe à 4 plus. C'est pas bon. Non, c'est mieux. C'est mieux. Si, c'est un 7 à moins 1. Eh ben, on va faire... C'est du dégât 2. Dégât 8, donc dégât 1. Dégât 1, eh ben, on va les faire 4 par 4, puisque je suis sur la 3 plus de celle qui a l'exo-armure. C'est fantastique. Eh ben, on va les faire un par un maintenant. C'est fantastique, ça. Putain. Mais, punaise. Eh ben, c'est triste. De, c'est, eh ben, c'est de l'énervation. Ah ouais, c'est très triste, quand même. C'est magnifique, ça, c'est splendide. Bah, c'est cuit à l'intérieur, encore une fois. Bah ouais, c'est cuit. Il est bien cuit, Véro. C'est feu orc, c'est feu orc. L'épée. La rage de mort, la rage de mort. Allez. Bascule sur les crises. Là. Ah non, les. Les. C'est vrai qu'il y en a deux. Il y en a deux. Deux, ça fait 16 tirs. Donc j'ai... Alors, je sais plus si c'est une arme de l'eau ou une arme d'assaut. Non, c'est une arme d'accord, donc j'ai pas de malus. Allez, je touche à 5+. Je touche 3 fois, je me laisse à 4+. Ouais, je me laisse 2 fois, paire moins 1. Paire moins 1 pour 1 dégât. Eh ben écoute, 1 dégât. Je passe à ma phase de charge du coup. Ouais. J'ai la fantastique charge à 6 ici à faire sur le Hammerhead. Charge enfin, sur le Hammerhead. C'est raté. Sur le 5, c'est raté. Que je relance nativement parce que je suis orc. Allez, allez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, fin de la phase de charge, alors tu nous as fait un truc très tricky ici. Alors, je sais pas si la cohésion ouais, est là. Juste que j'ai ici un petit peu, mais normalement, ça pire, pas, ça va ouais. Un petit peu. Parce que c'est mesuré depuis la coque, hein. Donc tu pouvais même arriver là. Oui, voilà, ouais, sans bien. Problème. Donc tu nous as fait une charge à 11 qui t'a permis d'aller récupérer le point là, tenir celui-ci, c'est et ça. Cliquer Long Strike. C'est ce qui est une charge, ma foi, fort effective. Fort effective, ouais. Les nobs, les méga nobs plutôt, ont réussi sans grande surprise leur charge. Et voilà. Ils vont essayer de détruire un petit peu de Crisis, faire leur vie, ce serait stylé. Gascu toujours engagé, j'espère qu'il va tanker les exo-armures, et puis qu'après il va faire sa vie. Et puis ma foi, voilà. Très bien. Gros, c'est bon. Passons à la phase de combat. Donc les méganobs ici qui tapent sur les Crisis, c'est parti. Je touche à 4+, vu que j'ai moins 1 et que c'est très encombrant les griffes. Et bien ma foi. Et là, Maxus, c'est faire des 4+. C'est correct. Je te blesse à 2+. Je fais 3 as, ce qui fait 2, 4, 6, 8, 10, 11 à moins 3. Là-dessus, oui. Allez hop. C'est ma bulle. Tout de la 4+. Oh là là là. Oh là là là. Ouh. Oh le bâtard. Oh là là là. Oh là là. Pour du flat combien? Flat 2. Deux, flat 2. Eh bah du coup, il y en a une qui meurt. Puisque flat 2, elle était à 3 PV, donc 2, hop, et une à qui il reste 2 PV. Bon, moi, c'est un peu triste. Ah, c'était un jeu de cochon, hein. Ouais, c'était pas mal du tout. Ok, ça veut bien sûr la Crisis. L'activer sur mon strike. Donc, je fais tout de suite ce 9, ce qui va toucher à 2, et si ça explose, non, si ça fait touche de plus. Je baisse à 3+, donc j'ai force 8. Force 5, force 6, force 7, force 8 avec, comment dire là. En fait, il y a plus de renforts, il y a une semi-pince. Ah, c'était pas une blague. Semi-pince. Ah, ouais, ouais, force 8, ça m'a surpris. Fais-le moi là. Bon, voilà, d'accord. Voilà, donc c'est fort. J'en fais 5 à PA moins 2 pour 2 dégâts. Hop. Et c'est parti. Hop, il y en a 2 de réussi. Donc, flat combien? Flat 2. Flat 2, eh ben, il perd 6 pèves. Comme je vous ai dit, les Hammerhead, ils sont 6 plus vite, ça, ouais, ça saute super vite. J'ai les deux asticots derrière qui touchent à 2+, vu qu'ils sont plus simples de toucher les véhicules, heureusement. Ça fait un 6 qui fait une touche supplémentaire. Et j'ai force 6 en endurance combien? 7, je crois. 7. Donc tu vois, ça fait un plus. 2 à moins 1. 2 à moins 1, merci. Eh ben, une de réussite, donc 6, c'est 7 PV perdus. 7 PV perdus, il en reste tout pile 7. Crisis sur Gascul, c'est parti. 7 attaques sur du 5+, rien du tout. Salut. Bon, Gascul va riposter et encore une fois très 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 énervé parce que ça commence à chatouiller. Il va riposter, hein, il va encore mettre des grosses mandales. C'est parti. Il y a tout. Il y a un 6. Il a blessé à 2+. Toujours.
Hop, ça en fait un certain nombre, 4... De toute façon, c'est de la calcul, on va voir ce qui se passe. Merci. Ça devrait... Flat combien? Flat 4 toujours. Flat 4 toujours, bah à chaque fois... Ah ben là, les filles open. Ouais. Flat 4. En tout cas, leur film... Ah ouais, c'était jusqu'à, ah ouais, c'est jusqu'à la prochaine phase. Fin open à 5. Seulement 2 PV sur la première. Hop. Ça, bah, du coup, l'autre meurt. Tu peux faire tes 8 fin open sur l'autre. Ouais. Ça tue. 5. Et ça tue. Gascul se libère et ça va te permettre, oui, de faire ton crasélé, donc il meurt. Enfin. Puisque, enfin, attends, on va peut-être rendre des coups, peut-être que... Trois attaques de base, on termine sur les pour le chassuie, sur du 5+, voilà, ça c'est un peu plus énervé. Ah oui, d'un coup, là. Oh, d'un coup, une reroll, c'est tout. Non. Hop, et en du combien? En du 5. Eh ben, 4+, elle blesse. 2 blesse. Et à 0. Un PV. Un PV. Voilà. On perd un PV de la honte. C'est propre. C'est tout. Scoring. Je mets ma domination cette fois-ci parce que j'ai cet objectif-là, celui-là que j'y prends et celui-ci, Gascu, un pied dessus. Donc ça te fait... Ouais. 3 points. Lui, on a que un d'objectif. Et j'ai 3 points de bannière et mon crasélé. Donc en fait, en secondaire, ça me fait 9 points à ce tour-ci. Petite rectification, on a oublié de compter les primaires bis de ce scénario. On n'a pas encore l'habitude, hein, chapter 2022. donc, ce qui fait que toi, tu vas marquer donc 3 points supplémentaires au total, sur au total, partie, ouais. Puisqu'il fallait tenir les objectifs sur le territoire adverse, voilà, sachant que donc là, je tiens à la fin de mon tour. Je tiens également celui avec Gascul. Au tour d'avant, je tenais celui-là avec Stormboy et à mon T1, en fait, j'en tenais aucun. Parce que c'est 1, 2, 3, 4. C'est ça. Et il y a 4 points bonus à faire si on est si on tient celui dans la zone de déploiement. Bref, suite à cette rectification, on arrive donc à la fin du tour 3. On passe tout de suite au tour 4. Début du tour 4 pour l'Empire Tau. Alors, je vais gagner déjà un point de commandement parce que, je contrôle l'objectif dans ma zone de déploiement. Mm-hmm. Ensuite, je ne mets pas de point de primaire parce que je ne contrôle qu'un objectif. Et ouais, il faudra en contrôler deux. Fin du monde K. Donc, je ne peux plus advance et tirer nature peinture sans malus. fini la drogue. Et voilà. Donc, ce qui va se passer très grossièrement, c'est que je vais surtout essayer d'aller chercher au max les objets de secondaire tôt. Je vais voir comment ça peut jouer. Je vais mesurer pour aller faire une action là-bas au T5 et une action ici au T5. Ça va être un peu compliqué, mais bon, je pense que là, je vais essayer de raser toutes les ressources qui lui restent et voir comment ça peut jouer. On va tuer Gasgul, on va tuer le char qui est là, et puis on va essayer de se projeter un maximum avec la charge. Je vais peut-être faire un mouvement Ballsy d'ailleurs pour gagner de la distance de projection avec le commandeur, ne pas tirer sur Gasgul et qu'il reste qu'un PV, et éventuellement m'avancer pour le charger. Donc, ce qui t'amène à la fin de ta phase de commandement, on passe à la phase de mouvement. De mouvement, et on se retrouve juste après. Fin de ta phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement. Dis-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis désengagé avec les Crisis ici pour me rapprocher au mieux de l'objectif, enfin du car qui est là, pour pouvoir faire mon action au dernier tour, de l'objectif secondaire tôt. Ici, j'ai simplement avancé les croûtes pour qu'il puisse prendre les deux objectifs tout seul. Ici, le commandeur, pareil, il s'est rapproché pour pouvoir faire l'action au dernier tour. J'espère qu'il va sécher Gascul. D'accord. J'espère quand même. D'ailleurs, si je te tue au tir, t'as pas une histoire d'engagement pour rester à la phase de cac. Ok, sait-on jamais. Les broadsides se sont mis en ligne de vue du dernier char qui reste, et les SMS partiront un peu en saturation sur tout ça, je ne sais pas. Et pareil, ici, j'ai fait un mouvement d'advance de 1, c'est pas beaucoup, mais c'est juste pour aller chercher le dernier objectif aussi du secondaire tôt là-bas. Et tu me fais tomber les deux bannières ici, parce que je ne voilà pas. Et je fais tomber les deux bannières grâce à la posante entre les groupes. Ce qui fait que je marquerai aussi des points de première bis ici. Et Longstrike s'est désengagé. S'est désengagé pour aller faire l'objectif behind the line à la fin des. Mm-hmm. À la fin du tour. Okay. Enfin, au tour suivant, pardon. Voilà. Ok, pour ta phase de mouvement, c'est fait. C'est fait. Phase psy. Voilà. Faites moi. Et donc, phase de tir. Début de la phase de tir. On va commencer par le commandeur sur Gasgul Tracker, parce qu'il a déjà survécu et que ça me trigger, et en plus, il faut que je sois sûr de le sécher. Donc, on va faire le DC tir de lance-flamme. Tu mets tout sur lui? Ouais, tout sur lui, de toute façon. Donc, ça fait 4 tirs de lance-flamme. Vous êtes D6 plus 2. D6 plus 2, exactement. Mm-hmm. Donc, touche auto pour lance-flamme. Ensuite, 2 plus... ça, c'est le cyclo raser rayon qui est en surcharge. Full reroll, merci, grâce au trait de seigneur de guerre. Précision du chasseur.
Ensuite, à la blesse, ça, ce sera sur du 5. Et tout le reste, sur du 3. D'où Jésus. Full reroll, de toute façon, comme tout à l'heure. Arf. Arf. Alors, ça, c'est cool. Arf. Voilà. Bah, il y a beaucoup de PA, c'est tout ça. Même la PA moins 2 pour le lance-lame. Donc, ça, c'est à 4. Oh, je fais des fusions déjà. Vas-y. Bah, il est mort. Voilà, il est mort. Il est mort. Les battlesuits qui sont ici vont tout mettre dans le truc qui est là. On va avoir en blanc les cyclo-raseurs à ion. Et on aura les fusils à plasma froid. Okay. Tout ça sur du 5 plus, du coup. Très 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 joli jet de touche. Je vais utiliser ma reroll de 7 taux maintenant. Et bless, pour le coup, tout ça force 8, donc à 3 plus. Pas de reroll. C'est PA moins 4. PA moins 2 là-dessus et 4 dessus. Ok. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin du Trux. Les broadside vont mettre tous leurs gros tirs de canon dans les mechanubs. Et les SMS dans les Boys and Packers pour les sortir absolument. Ah, sachant que j'avais mis un PC tout à l'heure pour qu'ils puissent faire un mouvement Fire and Fade. Fire and Fade après avoir tiré. On a dit les broadside, les 7 tirs de gros canon dans les nozes et les SMS, on les fera à côté juste après. Touche à 3+, parce qu'ils ont été buffés tout à l'heure. Il n'y a plus de reroll D1. Je vais mettre une reroll du 7 taux. Blesse à 3+. Pas de reroll. Voilà. Déjà, je me prends 3 BM. 3 BM. Et PA moins 4 moins 3. PA moins 4. C'est pas 6. Une de réussite. Ça fait 3 BM et 2 morts. Ça fait 3 morts. Les SMS sur. Dans les Boys Alpha Girls. Boys. Attention, touche à 3+. Pas de reroll. C'est pas trop mal. C'est pas mal. On s'était stade d'une 3 plus, je pense. Blesse à 5. Pas de reroll. Blesse à 4, pardon. Parce que force 5, c'est du 5. Et là, je vais utiliser ma reroll du 7 taux. Non. Mais je te prends le T. Tout ça, fais à moins 1, je t'en prie. Donc j'ai ma sauvegarde à 6. Vers la 6. Bien vu. J'en réussis une. Ça fait 3, ça fait 6, ça fait 7. La Ghost Kill tire les gros canons dans les mechanubs et les tirs de saturation dans les boys. On va commencer par les tirs de gros canon. Touche à 3+. Je vais faire. Ils ont pas d'invu du coup ? Non. Je vais quand même faire une reroll du 7 taux là-dessus, évidemment. Et je vais mettre mon dernier PC pour en reroll un autre. Super. Bless à 3+, du coup. Hop. 2. APA, moins beaucoup. Moins 2, pas du tout. Moins 2. Nous sommes à 4 du coup. Oui, c'est son collisionnaire infusion qui est moins 4 par exemple. Double 4, bim, double 4, incroyable. Donc je. Et les tirs de saturation. Là ça tue sur ça donc tue. Sur sur, ouais. Sur les boys. Ok, toujours 4 plus, j'ai fait toutes mes rerolls. Laisse à 4. Là, 4. Ah, il en reste 1. Allez. Ok. Les coups de tir dans les mécanismes avec toutes leurs armes. Ils sont à courte portée. C'est du 4+. Et c'est du zinc. Et blesse à 5, exactement. On fait trop. 4, 5. Ouais, là, c'est de la pierre seulement 0. Je rentrerai 1. Donc il rate. C'est bon, donc il y a un qui a perdu un PV. Un PV. Ok, sur d'avant. Il te reste toujours tes 2 Meganobs. Ça tient bon. Ça tient bon. Écoute, fin de la phase de tir du taux. On va passer à la phase de charge du taux. Parce que ce tour-ci, je vais charger du coup. Le taux charge. On va faire les croûtes vont charger. Non, plutôt les croûtes vont pas charger. Les broadside vont charger les Meganobs. Ah ouais. Et l'éthéré. Non, l'éthéré va pas charger du coup. Charge des broadside. Ah, ils ont une charge des broadside, c'est bon. Charge à 7. 7. 8. Les broadside ont réussi leur charge incroyable sur les Meganobs. Donc ça va toucher à 5+, reroll D1 parce qu'à portée du commandeur. Hop. Ben, c'est bien. Ça c'est plutôt pas mal, surtout que les 1 peuvent encore
Rock. Révolte bien. Voilà, et ça c'est une révolte du Septo. Voilà. Mmh. C'est très 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 bien. Ensuite, au niveau de la blesse, c'est force plus 1, donc force 6. 6 en plus. Voilà. Et ben voilà. Il est bien. Jésus. Quelle blesse. PA moins 1. Moins 1. Allez, on se met un coup, je vais une reroll. Pas besoin, je tente. Pas besoin. Ah. Approcher. Je touche 4 plus. Je fais 3 touches. T'en as du 5 ou du 6? On du 5. Je fais ça 2 plus. Je te fais 3 blesses à paire moins 3. Eh ben, je vais en prendre 2 déjà sur les drones qui sont derrière. Un drone qui réussit, bah du coup l'autre drone. Et voilà, pas de soucis. Ça marque donc la fin de mon tour 4. En termes de scoring, je vais enfin mettre full assassinat puisque j'ai tué Gascul qui est là. Et même Macari qui n'aura pas. Macari c'est déjà le tour d'avant. Je vais mettre 2 points de Beyond the Line parce que j'ai une unité entièrement dans sa zone de déploiement. Et en termes de primaire bis, je vais aussi mettre 2 points parce qu'à la fin de mon tour, je contrôle. Ouais. Un objectif. Bon, ah bah t'as une phase de morale, ouais. Ouais. C'est un 3. Eh ben en fait je vais mettre 4 points parce que je contrôle 2 des objets dans sa machin. Et... Ouais. Ah mais t'es table rose. Ah non, t'es pas table rose, il y aura pas de table. Je cherchais tes unités. Ouais, moi aussi je cherche encore là. Ce qui nous amène donc tout de suite au tour 4. Des orques. Donc, début du tour 4, Hugo. Il te reste 2 figurines, 2 méga. Je suis pas rasé au T4, donc je suis très content. Bon, ce qui amène, franchement, je pense à l'issue de la bataille. Grand souci. Wigmar va pouvoir faire en un seul tour, en fait, tous les objectifs du second verto, puisque cette unité, pour l'instant, c'est pas encore faqué. On n'a pas besoin d'avoir une unité entièrement à 6 pouces. Du pion en question. Mm. Donc en fait, il suffit de s'en approcher à 6 pouces et puis bim, de déclencher l'action. Faire, elle vient ici, non, elle peut pas parce qu'elle a pas le mot-clé infanterie, mais l'unité qui est là, elle pourra faire. Voilà, c'est quoi l'idée. Largement, ici, ça fait des 15 ici, points. Voilà, mes 15 points. Au début de mon tour 5, du coup, vu que j'avais plus de primaire que mon adversaire, je mettais 12 points. Je mettais en plus, vu que c'était le dernier tour, 4 points de primaire bis pour contrôler son objectif ici, et 2 fois 2 points de primaire bis encore pour contrôler les objectifs dans, dans son territoire. Voilà, donc voilà, ça fait beaucoup pour un tour 5. C'est un gap très fort. Qui monte de fou de fou. Donc on va faire le décompte des points. On fait le décompte des points juste après. Voilà. Ouais. Du coup, les gars, fin de partie. Bien, ouais. Bien joué. Bravo. Les migrants ont gagné. Les poissons volants. Soit pris de poisson. Yeah. On vous donne les résultats et on se fait un petit débrief tout de suite après ça. Alors, on se retrouve pour le débriefing final du score. On va commencer par le score du joueur Orc. Très très bas. Bon, vous vous en doutez vu comment ça s'est passé. En total des secondaires, tu auras mis 15 points et seulement 8 points de primaire, portant ton score total à 23. 36 points de primaire pour le taux et 42 de secondaire portant le score à 78, ce qui fait du 23 à 78. Ça fait un gros écart et en gros, ouais, en score tournoi, ça fait du 20-0. Ouais, c'est plus de 50 points d'écart. Donc, dans le détail, bon, les primaires, t'en as vraiment mis très peu, ça parle tout seul. Moi, en fait, le fait de devoir contrôler deux objectifs pour mettre 4 points, en fait, dans la disposition de la table, en fait, ça me force forcément à m'exposer. Là, en fait, j'ai mis Macari en me disant il pourra pas me le sortir, donc en fait j'étais assuré de mettre au moins 4 points en T1, enfin en T2, mais là en fait celui-ci je peux pas protéger, là-bas je peux pas tenir les objectifs contre Saranto parce que je tanque pas suffisamment, tout, en fait, c'est ça, la saturation de tir est trop forte, notamment à force 5, et en plus j'ai eu le tour 1, l'initiative, et ça on l'a dit, le tour 1 c'était assez dépendant quand même sur cette game, parce qu'il était obligé de cacher Sersaut, qui était des gros véhicules qui bougeaient difficilement, et une fois qu'il s'exposait, il était dans la range parfaite du monde 4, tour 1, 2, 3... vraiment ça a fait du mal et du coup il a pas pu conserver de primaire là où normalement c'est plutôt le taux qui est un peu en PLS sur le contrôle map. Là finalement j'ai eu un peu l'avantage grâce au fait qu'il était obligé de s'exposer malgré beaucoup de charges aussi, quasiment tout est passé en fait. Ouais, parce que j'ai fiabilisé les trucs et tout, mais ce qui me fait surtout chier en fait contre le taux qui a T1, c'est qu'en fait il me défonce tout ce qui est commando, Stormboy et tout, parce qu'il y a plein de SMS ou en général le taux joue les ATS, ABS, super, les trucs qui tirent hors l'os. Ouais, SMS, c'est ça, donc contrôle du custo, du truc qui tanque un petit peu, du SM, des trucs comme ça, il s'en fout. Mais moi, en fait, avec mes 5 pions qui ont du 5 et pas de sauvegarde, C'est ça.
même si je mets dans la couvert, quoi, un coup une interface de SMS, j'en perds 5 ou 4 ou 5, quoi. Donc l'entraide, c'est pas efficace. On a bien vu ça en fait. J'ai perdu quasiment tous mes standboys et plein de commandos T1. La Kiri qui prend un tarif, Gascule en plus qui se prend ses 4 PV, donc... Ah, Gascule, c'est difficile. Du coup, faut aller l'emmener, ça devient compliqué. Même s'il a fait un super boulot, hein, parce qu'il a viré ce qui était super OP. Ouais, mais en fait, il a chaté, mais sinon, il aurait dû mourir. Non, Gascule, une phase de close, grand maximum, et puis c'est tout, quoi. Bah du coup, avec la difficulté que tu avais à me charger, ton objectif secondaire du Codex Orc, qui était... Crasé-les, ouais, que j'aurais pu faire une fois, en fait. Voilà. Il y a eu surtout, on s'est mis d'accord, il y a eu un truc qui a été un petit peu, entre guillemets, game breaker, c'est que mon boss, avec sa pince et tout, qui refait les attaques, etc., normalement, en stat, il devait tuer son commandeur. C'est chez mon commandeur sauf à que, moi. En fait, voilà, c'était une stat... moyenne, quoi. Moyenne, normalement, en fait, dans l'avantage, c'était pour moi. Bon, il a craqué un petit peu ses 4 plus, ce qui fait qu'il me retourne au close. Moi, je l'ai pas ses broadside. Le commandeur est en super OP 5 autres abrutis. Autant du coup, c'est compliqué, quoi. Le seul contre les battlesuits. Et puis, ce qui m'a embêté aussi, mine de rien, c'est que les 3 battlesuits qui étaient engagés avec les D-Boys ont tué 7 avec Mora et tout. Ah ouais, une phase de cac un peu descente, on sait plus à la touche. Parce qu'en fait, théoriquement, normalement, je conservais l'objectif là. Je me faisais mettre que 0 de primaire. T'en remettais deux parce que tu comprenais un objet primairement dans mon territoire. C'est ça. Voilà, c'est ça changeait un peu. Puis plutôt, en fait, je peux deny ses primaires les premiers tours. Comme on l'a vu là, en fait, je crois que t'as mis 4 points sur les tours. Oui, j'ai mis 4 points au tour 3, 8 au tour 2, et 0 au tour 4. 0 au tour 4, voilà. Ouais. Et je peux faire que ça, c'est secondaire, théoriquement je peux pas les faire. Sinon il a deux secondaires monde cas où il faut qu'il fasse une semi-domination. Ça, c'est pas très compliqué. Non, j'avais pas pris celui-là, moi. J'avais pris celui où je devais faire des actions. Mais des fois, tu peux prendre, mais sinon, même les actions, en fait, tu fais en fin de tour, enfin, en fin de partie. En fin de partie, ouais, ça tu fais avec 4 unités, et puis tu mets tes 15 points. Et l'autre, t'as pris quoi, déjà? Beyond the Line. Derrière les ennemis, en fait, voilà, ça se fait. Et puis, contre moi, Assassinat, c'est... Voilà. Ça a été une des clés, ça aussi, à mon avis. Le joueur tôt doit pas jouer trop castle, malgré le fait que j'avais plein de bulles et de buffs à mettre à la phase de coup. Tu t'étales en fin de partie. C'est ça, on s'étale en fin de partie, on y va avec une très grosse mobilité, malgré le fait que j'avais perdu le commandeur Colstar, qui permettait aussi de faire sur un move un peu incroyable. Et donc voilà, le secondaire tôt, il était vraiment très très bien sur ça. En fait, il faut jouer sur sa force de la mobilité. Grosse saturation de tir. Du coup, j'ai pu nettoyer la table. Ensuite, grosse projection sur les derniers tours. Et voilà. En l'occurrence, vraiment, le Beyond the Line avec la Ghost Kill qui fait le mouvement de partir sur le coin opposé de la table, ça fait que toi, en plus, tu n'avais pas énormément de ressources à investir au CAC. C'est compliqué à dîner, quoi. Ça doit étendre. Alors, il n'y a que le Custodes qui, aujourd'hui, peut courir dans tous les sens, faire ses trucs. La Ghost Kill, en soi, je pourrais apprendre, mais le Costar, si moi, j'ai que du close, donc... C'est à part du psy et les tirs de Kirig, bon, ça, très difficile à aller chercher, ça a fait un truc rigolo, mais il a fini open à 4 et tout, donc c'est quand même compliqué à aller chercher. Et puis voilà, le T1 indépendant, la prise de bord sur le map, le scénario difficile, même pour l'or finalement contre le map. Moi, il était vraiment pas facile, dur. Je pouvais mettre mes bannières, ça j'étais bien. Il est obligé de s'exposer, forcément, une armée CAC, s'il n'expose pas ses personnages, il se passe rien. Voilà, en fait, je pouvais refuser, en refusant de sortir mes kills, bon, du coup, il n'y aurait pas de jeu, j'ai pas de ressources, il fait que, c'est bien, je vais cliquer un tour, un petit peu, mais après, là, je me fais défoncer. On a débattu aussi sur l'impact des camionneurs, du trade, ce que ça représente en termes de points et en trade. Ouais, ça fait une bonne projection. Ça vaut un petit peu cher, mais bon, c'est vrai que l'orque, avec une projection comme ça, c'est fort. Moi, j'ai joué souvent, c'est vrai que ça a souvent fait un bon taf. Ouais, ça fait quand même un bon taf. Il y a un truc qu'on pourrait faire contre Tau, mais c'est compliqué sous Miringer, en fait, c'est d'empêcher de fallback sur un 4+, avec les boys Alpagers. Si on arrive un petit peu à faire des trucs stylés, à engager avec épines et conso, plein d'unités sur une unité tôt justement, et qu'on pète notre 4+, qu'on empêche de fallback, là du coup on serait bien. Mais il faut faire un 4+, etc. Il faut faire un 4+, il faut mettre le PC, sachant que maintenant les battlesuits tirent au corps à corps. Et tirent au corps à corps, en fait je tombe le tôt, maintenant on ne clique plus comme avant. Moi, si je clique avec 10 boys, je me fais avec une 10 boys. Donc c'est bien, j'ai cliqué, il ne tire pas sur autre chose, mais bon, à un moment... Maman, c'est fou. J'ai pas les ressources infinies, moi, donc c'est chaud. Et du côté de ma liste à moi, ce que je trouve incroyable, c'est l'enforceur qui donne l'objectif secure à un pack de battlesuit, qui chope la 4+1 vue, la 5+ fine open grâce à l'éthéré, objectif secure. Le moins d'un dégât. Non, c'est sur lui, le moins d'un dégât. C'était sur lui, le moins d'un dégât, mais c'est vrai que du coup,
Moi, je trouve que c'est ça qui permet de scorer au primaire. Là où avant, on envoyait les Battlesuit, bah, dès que tu envoyais un Motar Orc ou n'importe quelle troupe un peu plus solide, paf, on perdait. Que là, deux fois, c'est grâce à ça que j'ai pu mettre un peu de points de primaire aussi. Ouais, c'est ça. C'est grâce à un peu ce trick-là. Ouais. Donc voilà. Donc, je vois que l'Orc a du mal contre les Gold-Tier. Typiquement, contre du Tyrannid, c'est très compliqué. Ouais. Contre du Custos, ça l'est aussi parce que il va manuer les Rirol, c'est transhuman, il tank de fou. La 4+, moi, j'ai je peux pas lui rentrer beaucoup dedans, parce que j'ai pas de la grosse PA, j'ai pas de relance et tout. Le tout, on l'a vu. Si j'ai T1, je peux faire quelque chose. Si j'ai pas T1, c'est très très compliqué. Après, les autres armées, je me débrouille. Mais voilà, l'Orc a du mal contre les God Tier, quoi. Et encore plus, je trouve, sur les objectifs où c'est la domination, il faut 3 objectifs pour avoir 8 points. Ouais, mais bon, ça reste une armée assez solide, qui fait des trucs, mais bon, contre le Gauthier, c'est compliqué. Très, très compliqué. Ça, à part en spin mob, où je pense que ça peut faire des trucs, mais bon, c'est pas ce qui m'intéresse, j'aime bien Goff, mais je vois que c'est compliqué. Ça devient compliqué. Chut, magie, j'apparais. les gars, merci pour ce débrief de qualité. C'est un plaisir, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Merci d'être venu. Si vous voulez voir un peu plus de Wigmar, bah, il était avec nous à la Met Cup. Ouais. Hein, donc vous avez toute la rediff sur la chaîne. Et pas moi. Et avait pas toi. J'ai failli. Oui, non. Tu m'avais dit, oui, c'est vrai. Il y avait surtout des très grands matchs très intéressants avec des tricks de folie. De la qualité. Je parle à ta fanbase. Ah, d'accord, très bien. Oui, c'est ça. Ouais, très développé pour les tours. Fanbase. Ah, mais fanbase. Ouais, okay. Les gens se ruent sur lui dans la incroyable. Rue et tout. Peut-être que moi j'aurai le droit. Bah, peut-être, toi, alors. Bien sûr, bah écoute, t'as les clés de la maison, hein, tu reviens quand tu veux. Avec grand avec plaisir. De l'or, quoi. De l'Eldar, parce que l'Eldar, ça va être pété. Je sens que l'Eldar va être... L'Eldar, ça va être pété. Bon, on te remettra un petit Eldar contre un tau. De toute façon, tu joues que tau, toi. Oui, moi, je ne joue que tau. Voilà. donc, merci à vous. Merci aux partenaires sans qui on ne pourrait pas faire tout ça. Crank Wargame, bien entendu, qui nous a fourni les tapis. Les tapis, très beau tapis. J'adore toujours les tapis. Il y a un peu de sang orc, mais. Ouais, là, il va falloir faire des débris. Les débris de véhicules, gascus, un morceau, va falloir récupérer. C'est sale. Macinerie pour les décors. Alors, ici, non, j'avais pas les décors encore, mais Macinerie, qui est toujours notre partenaire pour tout ce qui est décor, donc il a les bundles WTC et tout ça, c'est super cool. Et My Hobby Place pour des figurines de chez Game Workshop et autres, enfin, tous les produits Game Workshop. Avec un bon pourcentage dessus, il y a pas 20% la plupart du temps. Ouais, 20%, il n'y a pas moins cher ailleurs généralement. Eh bien, donc, je vais y aller dessus. Bah, vas-y, oui, vas-y, tu as de l'achat à faire. Tous les liens, bien sûr, dans la description. Les gars, donc merci encore, je vous dis merci à très bientôt. Très très bientôt. Et ciao. À vous, je dis les seigneurs de guerre. Ciao, les boss de guerre.